J'avoue, les Non. photos, elles sont mieux là. Voilà, bonsoir Twitch. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi il y a des couvertures par terre? Disais quoi tout à l'heure, Yessam, par rapport aux chambres? Aux chambres, je sais plus. Je sais Bizarre. plus, je Bizarre. sais C'est étonnant. Mais, faut pas avoir l'air étonné. C'est un film qu'il faut que je regarde d'ailleurs. Avec nous, Antolani, ou t'as apparu, je sais pas où. Pas avoir l'air étonné. C'est dans l'itinéraire d'un enfant gâté, si vous connaissez le film. Non. Belmondo qui parle à. Pas comment il s'appelle le mec. C'est vrai que j'étais en train de construire ça. Quand même, il le ressort tout le temps aussi. Il raconte bien ce bâtard la scène. T'as déjà regardé après. Moi je suis pas dans le jeu hein, pour l'instant. T'es pas dans le jeu? Ah ouais? Bah c'est qui lui? Ah bonjour toi, je peux aller me chercher du bois chef? J'ai faim et j'ai soif. Moi aussi. Ramène des... des bûches. Ah, il y a de l'eau ici. Bon, bah, j'ai moitié moins soif. Ok, j'ai plus soif. L'écho est connected. Ah, il y a à boire ici. Non, un crâne. Ah non, j'ai déjà trop de crâne sur moi. Je peux plus en porter. T'avais pas fait un truc tortue et tout pour boire? Bah, si, là derrière toi. Ah. Est-ce qu'il me reste des jambes dans mon inventaire? Non, j'ai une tête brûlée. Je m'en fous ça. Je peux pas l'acheter. Comment on jette? J'ai. Je peux. Ouais. Sure. Ah non, ça veut pas l'acheter. J'ai une tête cramée dans mon inventaire. Tu crois que je mange les amanites? Oh, j'ai le truc du début. Ah oui, du début. Pas se cracher. Ah oui, oui, ah, c'est vrai, coup, ouais. T'as le tuto du coup. Bah, attends, mais du coup, il va pas. Il va falloir qu'il nous rejoigne, ouais. Je l'ai passé. Je vais faire liguer. Ah, pas passé, c'est l'histoire. Oh non, je vais faire liguer. Attends. Non. Est-ce pour passer? Est-ce pour passer? Bah putain, il me casse les couilles lui. Faut maintenir, non? Ouais. Plusieurs fois. Ah. Mais tu veux pas suivre un peu l'histoire? Tu t'en bats les reins. Non, mais j'ai vu votre truc. Ah, ok, ok. De toute façon, mec, y'a pas vraiment d'histoire, tu te craches juste. Hein. Eh, c'est un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Les ops. Open emergency on. C'est un moteur? Ouais, c'est un moteur de base. Oh la vache, la sensi! Ah merde, lui, il est en train de me blinder de bois. Résolution plein écran, synchro vertical, champ de vision. Tu crois qu'on peut pêcher? Star Command. 0,32, on va essayer de le mettre à 0,32. Là. Ouais. Mais non, mais mec, mais la sensibilité! Ah merde, ça l'a pas sauvegardé! 0,25. 0,25, appliqué. C'est. Mais c'est n'importe quoi, mec! 0,10, vous l'avez baissé à fond la sensi ou c'est moi qui pète un câble? Je crois pas que je l'avais. Pas touché. Ouais, ouais. Ça dépend peut-être de la souris, je sais pas. Ah bah mec, moi je l'ai mis à... Je vais la mettre à 8% je crois. Putain, je peux pas continuer mes remparts ici. Pourquoi? Bah je sais pas, y'a un truc qui bloque là, je suis obligé de le faire en Y. Ah. En Y? Ouais mais c'est la fameuse technique de construction de fortification médiévale, le rempart en Y. Ah oui. Ah je vois le carré de bois de Léops. Oui, c'est vrai qu'il est encore là-bas du coup. Ça fait quoi de le voir en vrai? L'autre ne répond pas. Oh. Hein? L'autre ne répond pas. C'est marqué ça aussi moi. Ah merde. Tu peux répondre s'il te plaît? Tu vas aller où? Oh, il y a du bois. Faut ramasser le bois, c'est ça?
Je sais pas, c'est ce qu'on fait dès qu'on commence un jeu de survie, mais je sais pas si c'est utile. D'accord. Maintenant, j'ai mon inventaire qui est plein de bois, mais ça m'avance pas beaucoup plus. Bah, en tout cas, moi, si je remarque l'autre map. Oh, il y a des petites baies. Ah. Moi, ça marque que vous Oh, il y a jouez. des petits. Ah, bah, il y a des petits monsieur. Il y a des petits monsieur qui sont pendus par les pieds, il manque la moitié de leur corps. C'est décoratif. C'est de la belle déco. J'aurais peut-être m'en inspirer pour que moi. En même temps, nous, on a fait le camp au milieu de bocaux qui sont remplis d'intestins, donc. Bah, il n'y a pas à dire, ça donne envie, votre truc. Alors. Ça répond toujours pas là ou c'est bon? Là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon, ouais. Moi, ça m'a mis une notif Steam comme que vous étiez en train de jouer à Sons of the Forest. Alors. Ouais, pas toi? Tac, là, si je dézoome, là, les trucs que j'ai ramassés, les bouts de bois, ils sont. On sait pas. Ils sont, on sait Voilà. pas. Ah, c'est très Ouais. mystérieux, effectivement. Il faut pas avoir l'air étonné. Faut regarder. Il faudra que je regarde le film Itinéraire d'un enfant gâté. Et n'empêche, quand je vois la. J'ai vu la scène là, je me dis, oh! Je me dis, mon frère, il est fort. Parce qu'il a Il est bien, fort. bien restitué la scène. Rien du curieux. Vous avez marché super loin, les gars. Ouais. Et encore. Oh, il y a un mec qui m'attaque, je suis mort. Oui, parce qu'en fait, on est. Hein? Comment ça? Juste à Comment côté de la ça, il y a un cabane. mec qui t'attaque? Moi, j'ai un bout de bois dans les mains. Et j'ai Ah un peu oui, y peur a que ce un ne soit gars. pas suffisant. Où est-ce qu'on ramasse une AK-47? Faut Mais que il tu est la en train de fabriques. démolir le camp, cet enfoiré. Oh le Eh! bâtard! Il y a vraiment un mec? Et un gangan! Oh putain, il m'a tué aussi. Et Toutoun, dépêche-toi, faut que tu nous aides! Ouais, je crois Mais qu'il les aura gars, pas le temps pourtant ils d'arriver. devaient faire un marathon aussi, les Bah, potes! ouais, parce qu'en fait, on était en train de suivre les points sur le GPS et on a traversé toute l'île pour arriver jusqu'ici. Alors. En fait, on s'est retrouvé au bord de l'eau à se dire, bah merde, il fait nuit, on voit rien. Et Elle donc, est où du la map? coup. Ah, il faut jouer le pack de secours! Pack de secours! Voilà! Elle est où la souris? Parce que là, il va démolir tout le camp. Oh là là, mais. Ah oui. Merde, ah oui, d'accord. Il Pack de faut qu'on secours récupère un pour objet ouvrir. pour l'éclate, non? Cliquez sur l'engrenage pour ouvrir le pack de secours. Là, je vais peut-être Viens pouvoir par me là? heal ça comme ça. Oh! Il y a Je une sais pas, je hache. le vois pas. Ah, il y a une petite hache. C'est stylé ça. Ça, c'est toi, tu m'as fait flipper, mec. Et quand j'ouvre la carte. J'ai mis un coup, j'ai mis un coup. Avec le couteau. Ouais. J'ai entendu un enfant. Ah, je vais mourir. Y'a le bébé, y'a le bébé. Ah, il est mort. Alexandre, il a eu peur du bébé dans l'état de compagnie. Ah, faut que je récupère mon sac à dos. Ouais, En fait, Franchement, ma c'est incroyable. fortification elle est baisée parce que là je peux pas construire là. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je vais le faire Il est fuir, hein, le incroyable le mec. jeu actuellement, ça va, hein, franchement. Oh, il y a des montagnes, on voit le Mont Blanc. Pardon? On voit le Mont Blanc à gauche, comme à Dijon. Il a eu Ok. deuxième, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, il y a une biche! Oh, il y a des biches! Des biches! Faut que je fasse un J'arrive jamais à les feu. tuer. Et je vais faire cuire le mec. Je suis pas sûr de vouloir vous rejoindre. Bah, j'ai En fait, faim! on jouait à 4 et en fait j'arrive, vous me bouffez quoi, c'est ça? Putain, c'est casse-toi la mouette, c'est mon cadavre. Je le répète. Oh, il y a un singe, ça j'ai vu. Il me reste des bouts de bois. Un bout de bois, ok, super. J'en ai moi si tu veux, t'en Super! veux? Je tue un Attends. singe, mais j'ai pas envie de tuer un singe en vrai, Je vais le poser pauvre. un feu de camp par terre. Commence un feu de camp par terre, voilà. Ouais, tu me dis si ça veut dire, je vais C'est prendre. horrible Bah votre jeu. vas-y, tu peux mettre des bouts Oh de non, bois. il y a un autre Mais singe! Attends, cassez-vous j'ai les ramassé un mouettes! caillou! Il balotte! Ah, je me fais attaquer Ah, par un singe! tu l'es pas, ils vont te tuer toi, t'inquiète. Ah C'est la loi merde! de la nature, mec. Ouais. Oh, il y a encore un. Oh putain, il y a des C'est cadavres où et tout. ton feu? Bizarre Là, votre jeu. là, par terre, là. C'est une biche. Faut l'allumer, je crois. Attends, faut mettre plus de branches, là, y a rien. Y a Mais comment je la fais? carte. Bah, tu prends ta branche dans les Ah mains et ouais. puis tu la mets dessus. Mais marche pas Incroyable. dedans, par contre. Je suis pas dedans, je suis dans mon E. K, T, L, ça c'est vous, hein. Ah bah oui, vous êtes plus Là, simple il y a une que ça, branche, quoi. mais je sais pas comment la mettre. Bah, je crois qu'on a mis assez de branches, il faut mettre plus de grosses bûches, non? Non.
Les champignons noirs et blancs, faut... enfin blanc et, rou... et rouge, faut les ramasser ou pas? Moi j'en ai en tout cas. Ça les... On les mange pas automatiquement, on est d'accord. Ça dépend comment, si tu restes appuyé, si. Ok. Allez, je vais être dans mon E aussi. Hop là. J'arrive dans hop pas là. Très très longtemps vers vous. Genre dans au moins une petite heure quoi. Donc bah ce sera cuit d'ici là hein, je pense. Non t'inquiète, non pas du tout, j'arrive dans 2-3 minutes. Ah mais ça c'est vous qui l'avez construit ou c'était déjà là? De quoi? Ça c'est un rangement à bois en fait. Ouais ouais. C'est qui l'a construit, c'est vous? Ouais. Mais pourquoi vous l'avez construit en plein milieu? Je sais pas. Ah mais... Ah, moi j'ai l'intention de nous calmer. Ah mais c'est l'autre con qui marche dans le feu maintenant. Putain mais casse-toi. Chauffe le PC, non ça va. Taran tan tan tan. Jambes cuites. J'arrive bientôt sur la page. Bras cuits. Ben voilà. Hop. Il y a des gars qui... Ah non c'est des singes. Il y a un singe qui arrive vers toi, fais gaffe. Les singes, faut les attaquer ou en vrai, oh si on les attaque. Ouais, oh, il m'a foutu un coup ce bâtard. Ah bah, faut les attaquer alors. Et vous attaquez avec la hache ou vous avez d'autres armes mieux? On a fait une lance. Ouais, mais. Franchement, ah, mais ça, je trouve la hache mieux. Oh, attends, je vais manger ma tête. La puissance. Pardon? Hein? Tête cuite. J'ai entendu, je vais manger ma tête. Comment on la mange? Comment on la mange? Du fromage de tête. Mais mange, bon, mange cette tête. Ah, on peut manger. On peut manger les bras et les jambes, mais pas les têtes. Par contre, ça rassasie bien. Putain, tu m'as fait peur, bâtard. Merde, excuse. Excuse-moi, c'est bon. Du coup, il me reste une... Je mets pas de vie. Mais c'est dégueulasse votre truc là. Il me reste une jambe. C'est vous les sauvages les potes. Mais regarde moi ça, c'est quoi ça? Non on a repris un camp de sauvages. Oui. Là c'est un camp de sauvages à la base. Ah ça. D'accord, on est d'accord, c'est pas à vous tout ça là. Ouais non, attends, non, nous on bouffe pas les cadavres hein. Eh viens voir Lico. Nous on a dû se construire ça. C'est là où vous me faites peur hein, les potes. Viens, on est bien, viens. Voilà. Prends une bûche ici. Il y a une bûche dans la baraque. Bah. Mais c'est nul à chier. Non, c'est Anto qui l'a. Alors moi je peux pas ouvrir les portes, hein, perso. Ah, faut juste passer dedans en fait. Oui, ouais, oui, il faut. Bah j'espère que les guingans ils. Les guingans ils savent fort entrer dedans. Oh merde, j'ai fait tomber un truc. Ah, mais c'est un moteur. Comment est-ce que je regagne de la vie? Je sais pas. On sait pas. Ouais. Il y a des mystères dans le jeu qu'on n'a pas encore réussi. Toi, t'as de la vie, non? Pas beaucoup. Ah, d'accord, je pensais que le truc au-dessus de ta tête, c'était ta vie. Où ça? Bon, au-dessus de ma tête, tu vois, il y a. Ah oui, il non. Il est souligné, oui. Ça, c'est pas vous qui l'avez fait, du coup. Hein. Non. Nous, on a fait ça, là, le truc d'eau, c'est nous. Oh, bah c'est bon, moi, j'ai trouvé ma maison. Et bah voilà, moi, je vais. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu faire un truc en hauteur, non? Ouais. Genre une tour de guet. Ah, il y a un singe. Une tour de guet, c'est toute une qui y va. Il va faire nuit, c'est la merde quand il... Ah bah non, c'est juste un nuage, pardon. Ils veulent pas arrêter les piafs, là. Ah là, vous avez pété de l'arbre, ça c'est normal, on est un peu des humains, donc c'est normal qu'on pète un peu... Ah bah attends... Qu'on pète un peu. L'objectif, c'est qu'à terme, là, il y a un parking. Hein. Ah bah, ça me va très bien. Vous pourrez la grosse tuture, je fais la parodie de mon propre mot. La baraque elle est un peu petite, hein. Ouais, c'est mais vrai on dormira pas à 12 dedans. Hein. Bon, alors comment ça marche ce jeu? Expliquez-moi un petit peu. Il y a des camps par terre, c'est cool. Ah, t'as fait 0, t'as pas fait de tuto du tout, du coup. Mais non! Appuie sur I. Merde, X. Son inventaire. I. Hop. D'accord. Oh, j'ai ajouté un lustre dans la maison.
T'as déjà arrivé. Bah je mange des baies, c'est cool. Si tu veux, j'ai une jambe et un bras cuit sur moi. Outil de réparation. Improvised Survival Handbook. Wow. Oh là là, je comprends rien. Attends. Je vais encore galérer avec votre jeu. T'as ça, on te connaît toi dans les jeux de survie. Ouais. Alors t'appuies sur I, t'as l'inventaire, t'as plein de trucs. Ça ouais, je l'ai. B c'est pour le... C'est un genre de menu. Ah, y'a B. Oui. Oh. C'est quoi ce truc? Ah oui, si t'appuies sur B, t'ouvres directement le carnet. Pas mal. Je savais pas. Mais en tout cas, pour crafter des petits trucs, genre une lance, etc. Tu cliques dessus, je crois. Ça se met au milieu et t'as la roue qui s'active. Ah ouais, parce que moi, alors j'ai ramassé des bouts de bois, il y a rien. Hein. Nulle part. C'est bizarre. Hein, j'ai ramassé des bouts de bois, mais bah quand je fais I, ils sont pas là. Ils sont à droite. En bas à droite. En bas à droite. I. Alors là, il y a de la caillasse. Ah oui, là, il y a des bouts de bois ici, t'as raison. Il faut du scotch aussi, je crois, c'est ça. J'ai de la corde. Je sais plus comment c'est. Et justement, t'as un petit carnet noir quelque part. Ah ouais, à gauche, ouais. Et sur le petit carnet noir, c'est ton truc, ton livre de craft. Ok. Pour tout, y compris construction ? Faut que tu restes appuyé sur X pour changer de mode. Une fois que t'as le carnet. Ah là, c'est de la construction, j'ai l'impression, là. Ouais. Ta construction est. Ah ouais, sol de base. Ok. Bah donc, yes, je viens me faire la lance comme ça, voilà. Moi je serai équipé. Oh! Oh! Oh no! Oh l'interface est compliquée. Oh no! Oh, no. X. Non, X. Ouais, X. Ça c'est. Non, ça. Donc X encore, change de mode. Ça ce sont des outils. Page 2, 3, page 4, page 5, voiture, moteur 6 cylindres, d'accord. Balai pour nous lancer ça. Pas vraiment. Un feu de camp, alors. Comment on voit les outils, c'est où? Timber! Ils sont tous mes bûches. Je les ai utilisés, mais t'inquiète, j'en ramène d'autres. Mais sont les comptes pour faire une lance quand vous connaissez la recette. J'ai fait une tour de guet. Ah ouais. Tu disais quoi, Toutoune, pardon? Comment tu vois la recette pour faire une lance? Comment tu fais pour voir ça? Attends, regarde. Carnet. Carnet, ouais. C'est bien. Pourquoi dans outils? Le marocheux. Ça, c'est pas très intéressant, ce truc-là. Peut-être là-dedans? Non. Non. Plateforme d'arbre. Abri de chasse, petite cabane en rondin. C'est ça peut-être, non? T'en rappelles, voilà. Léop, ce qu'on a vu pour faire le... Pour faire? Une lance. Je crois que c'était pas juste le tuto qui nous disait... Je sais plus, en fait. Ah, je crois que quand tu sélectionnes un truc, ça te le... Ouais. Quand tu fais pour le mettre au milieu? Tu fais clic droit pour combiner. Ah ouais, voilà. Et là, je crois que ah oui, et si tu mets ta roue sur la molette. Voilà. Flambeau, lance artisanale, il me faut du scotch. Merde, j'ai pas de scotch. Ouais, c'est ça, j'ai pas de scotch. Bon, alors, T'es sûr que t'en as pas? Ah, quoique, j'ai caché. Hein. Ah, bah non, c'était marqué que j'en avais pas. Ok. Droit. Ouais, et là. Scotch, ouais, il est affiché en rouge. Comment on trouve du scotch? Merde. Bah comment tu es censé en trouver enfin d'accord, je vais pas en trouver dans la nature quand même du scotch. C'est étonnant. Je sais même plus en fait. Mais faut pas avoir l'air étonné. Alors bah, on va regarder sur la plage hein. Un écureuil. Mais ouais mais pour moi on avait du scotch dès le départ dans notre inventaire. Ouais moi aussi. Bah moi j'en ai pas, vous en avez ramassé je pense sur la plage au début. Non, on avait un kit avec plein de trucs dedans.
au début. Ah moi, pas vraiment. T'as pas une trousse dans ton inventaire que tu peux ouvrir avec des trucs à l'intérieur, tels que du scotch? J'ai un sac à dos. Ouais. J'ai de la corde. Massue artisanale. Oh putain, je me suis fait Non. tuer par un singe. Quoi? Je sais pas, il était là depuis tout à l'heure et on chill et tout, et d'un coup il m'a sauté dessus. T'es où? On chill. T'es en train de chill avec un singe et moi Bah. enculé avec lui. Je vais. Enfin, comment j'aurais pu m'en douter, enfin. Enculé? Hein? Ah, je dois aller sur internet, hein, je suis désolé, mais. Ça va tomber, chef! Ça s'appelle comment? Sons Son of the of Dragon. the Forest Oh, Pine. mais. Je t'en colle une, moi. Ça parle le même singe. Ouais, bah je l'ai décapité. Duct tape. Alors, duct tape is a material. Material. C'est du material. Description. Équipable non storage. Oh mon bois! Backpack, Mon bois il est en train crafting, de partir! use to make, machin. Gameplay location, most commonly found in cases around the map. Ah mais c'était ça, c'est qu'on avait ouvert toutes les Abandonné valises comme camp. des cons. Ouais, c'est ça. Hein? Il y avait, tu sais, sur la plage au début, il y avait des valises et on avait ouvert toutes les valises. Hey, t'en as pas là? Bah non. Putain, s'il faut que tu retournes au début, Là, c'est. par rapport à la carte, le camp le plus proche, il est. Oh merde, il y a une espèce de grosse baïne avec des vagues là. Bah, faut que je traverse et Allez que hop, j'aille à droite. je peux Je vais aller à un niquer camp. le bois, je peux le niquer en bâton ou pas? Je crois pas. Ça quand même. C'est triste ça. Ça me gratte les J'aurais yeux. bien voulu des petits bâtons là. Bon, après, des petits bâtons, il y en a un peu partout. J'en ai besoin de beaucoup de bâtons. 52. Bah là, Comment qu'on fait? il y en a 16 déjà. 22. Oh. Faites les piquer. Vas-y, ça sert à ça. Alors, voilà avec des bûches, lui. Ouais, depuis tout à l'heure, il est Ouais, déter, bah hein. ouais. On lui a dit nettoie, nettoie. Il y a un bateau, il n'y a pas des trucs à choper dans le bateau. Je suis en train de faire un truc, j'espère que ça va nous Il y a servir. des pièces? J'ai ramené des pièces? Ouais, le bateau, je crois que c'est là où on voulait aller à la base, mais comme il Il y a faisait des petits. nuit. Mais alors, le bateau, c'est une petite barque qui Oui, s'éclate sur les rochers. ça fait genre. On dirait un radeau de secours. Par contre, Freud s'est Non, posé, encore plus lui. petit. Non, alors je parle pas du radeau de secours, le machin qui est gonflé rouge là dans. Ah! Je parle d'un truc encore plus pété que ça. Ok. Ce qui est. Ah merde, je suis même pas au bon endroit en fait, attends. Attends. Merde. Attends, je suis même pas sûr de On est reconnaître tout fou le l'endroit camp. où. Attends, nord. Ah si c'est ça, là il y a un deuxième. Ok, si c'est ça. Là, je vais aller là-bas, je vais longer la plage. Attends. Eh bien mon pote. Si je meurs pas dans cette aventure, j'aurais vraiment de la chance. C'est la nuit qu'il y a les gouloum-gouloum bizarres là? Les quoi? On appelle ça des gouloum-gouloum. Si ça ressemble à des gouloum avec 4 bras, bah on dit gouloum-gouloum. Ça se Et tient. s'il a 6 bras, on dit gouloum-gouloum-gouloum. Ça respecte une certaine logique. Arithmétiquement, ça fait sens. Ouais. C'est seulement armé. Hermétiquement. Vous avez regardé le dernier imposteur ou pas? Ouais. Putain, le mec avec l'instrument, ça m'a fumé. Avez pas reconnu? Il était nul à chier. Ah ouais. Franchement. J'ai vu le premier jouer, j'ai fait. C'est beaucoup trop technique pour que ça s'invente. Oh, il y a du vin. Nice. Oh, j'ai des huîtres. Bon. Oula, pas très bonne les j'ai l'impression. C'est quoi ça? Oh, il y a du scotch. J'ai trouvé un petit camp. C'est quand même pas ça le camp déjà. Non, c'est pas ça. C'est le camp des Gangans.
Mais c'est pas si petit que ça quand même. Attends, non, c'est pas celui-ci, c'est plus loin encore. Il faut un micro-camp. Hmm. C'est comme. Mais en camp quoi. C'est comme. Ce que j'ai mon expression, c'est. Attends, comment je. Comment qu'on le dit Il est comme une petite bitouquette. Ah, tu peux couper des petits bois, les petits arbres, ils te donnent du petit bois. Oui, oui, les petits arbres. Alors là, il y a. Je savais pas. Ah non, il y a un plus gros camp là-bas. Mais attends, quand. Gargant. Oh, il y a de la fumée rouge et tout. Il y aura toujours un plus gros camp que ça. Alors. Oh là. T'es arrivé à un endroit de la quête, toi, non? Non, non. Mais ça me fait un peu peur, je t'avoue. Non, bah vas-y, t'inquiète. Il y a de la grosse fumée rouge. On va crever, t'inquiète. Mais putain, dire... mec. Les mecs. Quoi? Il y a un gars. Ouais. Il a lit. En fait, la lumière rouge, il y a un mec, il y a deux tentes, et il y a un mec, il a une flare dans la main. Et il encule les deux tentes, quoi? Mec, je te jure, il y a un petit lac là. Ouais. Et il y a un mec, il ajoute une, il agite une flare. Ouais. Autour de lui. D'où la fumée rouge. Lui. Ouais, ouais. Mais c'est, vous connaissez ça? Non. Ah bah non, non, nous on a lancé le jeu il y a une heure et demie, quoi. Enfin, en temps, en in-game time. Il vient de mourir devant moi. Ah d'accord. C'est vraiment, hein. C'est trop chiant quand les gens font ça. Ah mais je peux dormir, genre, ah, je peux sauvegarder, partie sauvegardée, bah voilà. Et je peux dormir aussi dans la tente. Là il y a du... Oh merde. C'est quoi ça? Fusée éclairante collectée. Hmm. Ah, moi je voulais du scotch. Là il y a de la caillasse. C'est quoi ça? Résine d'imprimante collectée. Hein? Circuit imprimé connecté, collecté. Attends, mais nous on est là en train de faire des cabanes en rondins et. Par contre, il y a vraiment un mec. Bon bah c'est tout, hein. Par contre j'ai pas eu beaucoup de scotch. Enfin, je vais essayer de crafter. Attends, les mecs, fallait qu'on s'installe là, là il y a déjà des tentes. Mais nous on a vraiment arrêté vraiment au premier endroit qu'on a croisé. Attends. Ouais. Les mecs. C'est bien, au moins la prochaine fois on sera. Avec un circuit imprimé, je peux faire un localisateur GPS, explosive flèche en pierre, bombe collante, armure tech. Ah ouais, c'est ça que t'es en train de faire. Incroyable. J'ai une ampoule. Ah bah super, je peux prendre une ampoule à la main, bon ça c'est un peu pété. C'est quoi ça, mire? Ah bah c'est pour manger. Effectivement, c'est, ça paraît logique dit comme ça. C'est quoi ça, mille? C'était ça ta question? Et donc le scotch, tac, et massue artisanale, bah... Arc artisanal, lance artisanale. Comment je fais pour choisir ce que je craft? Comment ça? Deux bouts de bois. Bout de bois. Il manque quoi là? Lance artisanale. Ah, faut que j'utilise mon couteau. Ah ouais, c'est ça, combiné. Ah, ça je me souviens dans la vidéo. Bah c'est bon, j'ai ma lance. Bah nickel. Est-ce qu'il y a un autre camp à aller chercher avant qu'il fasse nuit? On ira après. Bah, ça me fait un peu peur quand il commence à faire nuit. J'ai des gros cailloux. On se rapproche de vous. Je les mets là. Elle est où la poulette? Elle est gros cailloux, c'est bien. Elle est où la poulette? Nala? Nala? Il arrive en courant, je pense. Il va bien ton petit chat, au fait? Ouais, ça va, tiens, il est là. C'est vrai, il est sur toi, non? Non, là, ça va, il est à côté. Il est dans son petit panier à côté. Oh, c'est mignon. Il fait la misère au chien, c'est ça? Ouais, ça va, ils jouent ensemble en vrai, mais le chien, je pense qu'il a trop peur de lui faire mal. Ouais, c'est possible. Oh là là, attends, ça c'est haut. Oh, si on tombe, on meurt. Il y a des dégâts de chute ou pas? Oh, je pense. J'ai pas trop envie de le découvrir.
Oh, comment il commence à faire nuit là? Je crois que la nuit c'est le bordel, votre jeu. Putain, je suis con, j'ai oublié que. Si je ramène un rondin et je suis pas obligé de le couper, il le coupe tout seul. Si ouais. Vous avez découvert qu'il y a des gangans, c'est que c'est la nuit. Mais ils sont pas que la nuit. La nuit, il y a vraiment d'autres choses en vrai. Mmh. Ouais. Bon, je propose qu'on aille se coucher, c'est pas mal hein. 22h, c'est cool. je suis pas du tout au bon endroit. Je marche vers vous, mais là, il y a l'énorme fleuve au milieu. Tu derrière toi. Mais non, t'es trop loin, mec. Je ne crierai pas. Je suis pas comme mon frère. Là, comme on avait trop avancé, n'empêche dans le jeu, par contre. Dans l'étal. Bah ouais, franchement, on était fort. Hein. Attends, j'ai pas joué dans l'étal. En fait, on a eu la bonne strat, on a commencé à la faire avec Adam, mais un peu trop tard. C'est que quand tu dois atteindre un certain quota, et nous on vendait systématiquement tout ce qu'on avait. Ah, et là, quota, vous il attendez. À 150, si tu ramènes pour 300, bah tu vends que pour 150, et comme ça tu commences tes 3 prochains jours avec déjà 150 dollars, oui, en fait, tu vois. En fait, on a fait ça, on a stacké. Par contre, si tu meurs tous les 3, là c'est la base. Ouais. Bah en fait le vaisseau il se réinitialise, donc il n'y a plus rien dedans. Ah oui. Donc ça peut être un peu short. Il faut faire quand même gaffe. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont repopé dans le bateau ou pas? C'est peut-être chaque jour. Peut-être que chaque jour ça... Parce que là je viens de faire un camp, mais... Si ça respawn pas dedans, on est marron quoi. On va choper des gangans. Je crois qu'on peut lancer des trucs. Ah ouais, il y a clic droit aussi. Avec la petite lance. Hop. Lance artisanal connecté. Putain, j'ai une ampoule à la main quoi. Comment ça? Bah mec, j'ai une ampoule dans la main. Ah oui, t'as pas une ampoule sur... Non, non. Je suis un érudit. Mon perso il a faim. Donnez-moi à manger s'il vous plaît là. Bien, je ramène une carte, je lui ramène une ampoule et une carte électronique, c'est cool. J'ai toujours je crois une jambe et un bras dans mon inventaire. Ouais, j'ai pas trop envie de bouffer ça en vrai. Mais ça va se perdre hein mon. Équiper une torche en appuyant sur L. Deux jambes cuites. Ouais, j'ai construit une cage à lapin. Et c'est ça une torche? Bah, c'est... Ouais, non. Là c'est de la grosse merde. T'as juste ton briquet dans la main, non? Bah oui. Oui. Non, en gros, il faut que t'aies... parce que là, il éclaire juste avec le briquet et c'est nul. Ce qu'il faut, c'est que tu craftes une torche. Tu craftes et une ensuite, torche. Quand t'appuies sur... Quand... Ah, merde. Tu craftes un flambeau, exactement. Ouais. Ah, c'est quand même qu'avec une ampoule, je puisse pas faire un truc qui éclaire à base d'ampoule. Hein. Regarde. Bah, il te manque une pile, à mon avis. Regarde. Non, c'est pas moi, ça. Bah si, c'est toi. Mais là, je suis derrière toi, couillon. Mais non, t'es par terre là, t'es devant moi. T'as là. Couillot, je suis devant terre. Toi avec un feu dans la main. Mais c'est qui par terre là? Non, mais c'est Gaëtan. D'accord, il serait que vous avez un assistant. Là, tu es terre, il regarde l'autre, je le vois. Moi, je me dis, mais moi, je pensais que et là, je vois tes deux noms, je dis, mais au fait, c'est qui lui là? Ah oui, c'est José. C'est Ross. Non, non, José. Non, José. LF, je vais voir. Ouais, attends. Ouais. Là, j'ai construit une cage à lapins. Ouais. Là, il faut mettre des graines. Là, j'en ai mis. Ouais. Tu peux pas équiper. Et normalement, demain, on aura des lapins. Et on les fume. Ah ouais, Genre, ouais. Tu mets des graines et ça fait pousser des lapins. Ouais, c'est ça. Je savais pas que c'était comme ça que ça marche, mais ok. Il y a pas besoin d'arroser, par contre. Par contre, si je rentre dans ma cabane avec ma torche, est-ce que je crame ma cabane? Merde, je vais ramasser que deux bouts de bois en par deux. Bah moi j'ai ma tour de guerre en tout cas. Oh là, on voit rien. Et là, on fait
On va se faire enculer là, non? Équiper la torche et hop! Bon. Ah ouais, c'était... putain, vous avez des torches, les mecs! Fort! C'est vraiment un bout de tissu et un bout de bois. On va regarder comment ça se craft. Tissu, est-ce que j'ai du tissu? Quoi ça? Veste tactique. Les potes. Bah, je peux pas la porter, on dirait. Pourquoi je peux pas la. Je peux pas la porter. Clic droit, ça marche pas. Clic gauche, ça marche pas. Veste tactique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Outil de réparation. Non, c'est bon. Avec ma lance, je peux l'améliorer de. Non, même pas. 1000. Je pense que le pack MRE, il doit remettre full life, je pense. Là, j'ai de la caillasse. Merde. Ah bah j'ai ouvert une bourse en cuir, j'ai eu du Chatterton, une barre énergétique et des pièces. Mélange énergétique, ah je peux faire, avec des plantes tu peux, avec certaines plantes tu peux faire des trucs. Là il y a du champignon. Poisson. Poison ouais. Flèche. Ah je pense que les champignons rouges à point blanc ne se mangent pas. Ouais. Parce qu'on peut faire des trucs empoisonnés avec. Oh merde. Putain j'ai une grenade dans... Je crois que j'ai mangé un champignon. Poison flèche de pierre. Ça veut dire on va se coucher les gars. Ouais ouais ouais, bonne idée. Pierre, on peut se coucher. Ouais. Tu peux sauvegarder et on peut se coucher. Ok. J'arrive. Allez on se couche tout dans le. Dans la non, baraque c'est mec. Mort. C'est tout mort, sur le même lit. C'est comme mort, le 31 mon janvier. Avec ce que t'as dit. W hein. Ouais. Putain, deux joueurs vous êtes pour dormir. J'arrive. Oh là là. On dort pareil. Vous avez faim, vous avez soif. Oh, je suis en train de crever. Je prends mon truc tactique. La tactique du gendarme. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça me donne faim. Ah, ça m'a remonté quasiment toute ma bouffe. Et l'eau, on peut pas boire l'eau de la mer, on est d'accord. Mais il y a un étang. Attends, et puis il y a un étang là-haut. J'ai envie d'aller boire dedans et voir ce qui se passe. Non. Non. Parce que l'autre jour, le couillon d'Anthony, il m'a emmené là-bas pour boire et en fait, ça te. Ah ouais? C'est pas de la bonne eau. Merde. Teste après, hein. Alors, moi, j'ai bu une canette là, mais le problème, c'est que maintenant, on est des vrais porcs. J'ai jeté par terre comme un. Je sais pas, pour moi, c'est ok là. Hein. Ouais, mais attends, après, tu vas voir. Bon, je vais péter de l'arbre. Oh, attends, je vais manger un bras, une jambe. Oh, il y a un arbre qui a poussé là. Il repousse les arbres, j'ai l'impression. Non? Bah sûrement ouais. Est-ce que tu penses que le piège à lapin j'ai construit trop près? Mais c'est pas un piège à lapin. Ah bon? Ah non, c'est un clapier. Qu'est-ce qu'un clapier? Bah c'est disons que un clapier, disons que le lapin faut l'y emmener dedans. Oui voilà, c'est ça. Ah. Je me disais bien, on peut pas juste mettre des graines et il y a des lapins qui poussent. C'est okay. un peu trop facile. Non, faut mettre sinon, des. À mon avis, faut mettre des collets ou un truc comme ça. Comment on fait ça maintenant? Alors. Changer de mode. Ah, triste, hein. Bon, je vous ramène la race de bois. Moi, je suis le petit. Le petit farmer fou. Ah, des pierres. Bah, c'est rempli. Oh la vache, il y a du bois qui arrive. Oh putain, il va casser la baraque. Feu sur pied. Regardez, il y a une invasion de bois. Ah, faut qu'il arrête par contre, on a plus assez de place là. Vous voulez encore du bois? Il est où? Comment on lui dit stop au petit gars? Bon, on a ramené autre chose, viens ici. C'est moi le petit gars? Non, pas toi. Parce que moi je suis en train de péter de l'arbre là encore, regarde, hop. Il y a plus de place dans le truc d'arbre. Bah, on en fait un deuxième, on en construit un deuxième. Vas-y. Mais des pierres aussi, c'est pas mal. On va lui demander des pierres, comme ça on fait une cheminée. Ah. Ramène-moi des pierres. On est plus sur le camp à un endroit hyper glauque comme ça? Ben, je pense que là c'est juste pour s'entraîner en vrai. Un panel solaire. Mais regarde la déco là, elle est pas mal la déco ici. Piège à bestioles, voilà, 14. Piège à poisson. Ah c'est vrai. Alors, B pour build. Moi j'ai envie de faire un... Qu'est-ce qu'on peut faire, un truc stylé?
Est-ce que je me fous le piège? Ça. La forme d'arbre, c'est pas très. On peut faire de l'acrobranche, je suis sûr. De l'acrobranche. Ah mec, j'ai l'impression, hein, parce que. Putain, mais il y a plein de rondins des... ici. Cabane d'arbre. Mais oui, on peut vraiment faire des. On peut vraiment faire des trucs dans les arbres, hein, les gars. Oh. Mm. Les gars, je vais être un vrai petit. Je sais, c'est pas bien ce que je veux dire, mais je vais faire du travail de petit chinois. D'accord. Oh là là, par contre, je suis toujours pas à l'aise avec le jeu. Hein. Toujours pas à l'aise avec le racisme. Hein. Mon gars. Attendez, je reviens, je vais coucher. En fait, on a coupé des arbres. 2 minutes. Et on a laissé les rondins se barrer. Et oui. Des rondins coupés partout. Hop, hop. Vas-y, mon gars. On va remettre des demi-ronds. Attends, on va en mettre encore plein des. Ah oui, mais t'en as plein à tes pieds aussi. Corde avant, j'en ai. De la corde, j'en ai aussi si tu veux. Ouais, mais comment je fais pour sélectionner? Il n'y a pas besoin de sélectionner, juste appuie sur E si t'en as ton inventaire. Bah, j'en ai pas, ça veut dire? Bah, si c'est rouge, ouais. Bah, si, pourtant j'en ai. Corde ici. Équipé. Là, si je fais E. Bah. J'ai de la corde dans les mains. Ouais, mais là, il veut des rondins de bois, j'ai l'impression. Ah, d'accord, faut commencer par les rondins. Ouais, faut mettre les pièces dans l'ordre. Ouais, y en a plein là, des rondins, donc ça va. C'est technique, hein. Ah, par contre, il va y avoir pas loin encore. Hein. Ouais, 59. Bah, c'est pour ça que le gars il a rempli toute la réserve là. On va la vider. Ouais. 24. Au pire, moi je vais repéter tous les arbres qui sont autour. Hein. Mmh. Je sais pas si ça repousse par contre. J'espère pas. Là, on a eu de la chance d'avoir. D'avoir cet arbre là qui était encore vivant. Parce que tu vois, il va être bien placé par rapport au village et tout. Il fallait. Putain, j'ai vraiment voulu faire un truc trop gros. On n'aura jamais assez de bois. Si, si, si. Bah, je sais. On va repéter des arbres. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait la tour de guet. Ah, la tour de guet, elle a dû consommer un paquet de bois aussi. Hein, ouais, il y en avait genre 70. Quoi? Bah, j'ai coupé tous les arbres aux alentours. Ah ouais. Elle date de ce soir, la tour de guet, non? Oui, je viens de la faire, là. Ça prend... c'est quand j'étais parti chercher dans le truc, là. Ouais, ça prend pas si longtemps que ça. J'en ai compte, je suis fier de moi, j'ai envie d'être un constructeur, un inventeur. Il peut pas aller nous chercher des petits lapins lui à manger? Je sais pas, j'ai posé un piège dans la forêt, on verra ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai. J'espère que c'est. Ça a l'air petit quand même, hein, par contre. Hein. Ah, il ramasse des cailloux maintenant. On lui a fait un petit truc. Ah, bah non, il est juste en train de les poser là. Attends. Merde. Oh. Un piège à mouche. Ah, je trouve tellement de bois. C'est un peu répétitif quand même. Hein. Je pète les rondins de bois avec mes mains, j'ai l'impression. Bâton.
Il y a des bâtons. Toi qui fais ce bruit là, on est d'accord. Ouais. Tu m'as fait un petit peu peur. Ah, mais c'est ce genre de pierre là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Réserve de pierre 7. 6. D'accord. Bon, là j'ai plus à manger à part qu'on trouve de quoi manger dans pas longtemps. Ouais, je peux pas le casser cet arbre, c'est bizarre. Cette magie. Ah, celui-ci, je peux. Des arbres incassables. Il est pas incassable celui-ci quand même. Ah non, c'est bon. Ah, il est juste plus résistant, j'ai l'impression. Mmh. Ah, je peux. Au direct, je peux lui attaquer que la. Ah non, c'est bon. Les rondins de bois, ils sont en train de se barrer, les bâtards. Ouais. Ça roule bien. Les bâtards. Ah ouais, ouais. Absolument. Eh non. Oh bonjour. Oh bonjour. On est en train de faire un deuxième camp à côté du premier. Quoi? On est en train de faire une petite dinguerie. Je voulais mettre ma patte. On va vraiment recouvrir la map avec des cabanes toutes les 2 mètres. Je sais pas, je vous dis que c'était bien d'avoir ma petite cabane, tu vois, homme indépendant. Comment qu'on monte? Ça, si je ramène une petite zouze, paf. Elle est où la poulette? Bah, il s'est éteint, si tu veux. Je suis dans le noir, donc je vais crier à tout moment, ok? D'accord. Bah, comme d'hab, quoi. Ouais. Hein, c'est juste ouais. Le fait d'être dans le noir, ça te... Et encore là, ça va, je me suis un peu habitué, mais avec le chat, c'est terrible. J'ai pas l'habitude d'entendre des bruits, tu le vois pas arriver et tout. Oui, un chat, c'est discret, oui. Ouais, des fois, je le vois pas. On lui a mis un truc, une petite clochette autour du cou, parce qu'on l'entendait pas arriver ou ah on ouais. Cherchait partout. Moi, elle fait un petit bruit de singe tout le temps, donc ça va. Et des écureuils. Ouais. Tu peux sauter de là, vous croyez? A votre avis, je crève si je saute de là. Putain, c'est chaud entre l'Ico et les Ops, les deux c'est LL. Ah merde. On est en train de décimer les arbres, hein, j'annonce. Ça va qu'on en a oublié un. Ce con, il est en train de ramener toutes les pierres. Ah, c'est moi, j'ai demandé des pierres, j'ai oublié. Ouais, mais là, oui, il y en a 60. Allez, l'arbre, pète. Y'a pas un truc, un rangement de pierres Si, si, bah j'en ai fait un, il est plein. Et il y a tout un tas de pierres par terre à côté. Attends, chef, tu ramènes autre chose, attends, je vais regarder ce que je peux. Il a ramené toutes les pierres de la main. Ouais, il peut ramener du bois là, le pote. Hein. Tant qu'il pète pas l'arbre sur lequel je suis en train de faire ma maison là. Je sais pas s'il est senti, il a vu ce que je suis en train de faire. Oh. Pas vraiment. Attends, j'arrive. Attends, je vais ranger ça là. Il vira le produit fini. X pour déposer, je crois. Ouais. Ah bah. Bon bah, je vais poser comme ça. Bah, je crois qu'on peut mettre que des bûches entières. De la... Bah, il manque du gros. La grosse caillasse encore. Ah, enfin, gros... la grosse caillasse du gros bois. Oui, je crois qu'il y en a là-bas. Bah oui,
Putain, j'en ai semé partout les trucs. On y voit déjà un peu plus clair. Dans le sens où il y a moins d'arbres qu'avant. Ah oui, oui. Voilà, oui, je confirme. Ouais, des petites baies, des trucs. C'est cool. Bon, je vais foutre un truc là, je vais construire des trucs, on verra après. Hop. Rome ne s'est pas construit en un jour. Pas forcément dit que je voulais refaire Rome en entier, mais. Ça, ah, c'était pas les bonnes choses. On est en train de faire un village, ça se trouve un endroit comme dirait Adam. C'est pas du tout. Ah, c'est 40. Ah, c'est quoi ce mur en pierre là? Ah, c'est une cheminée. Ouais. Ouais, mais c'est des grosses pierres qu'il faut. Ouais, du coup, je la renvoie. Ah. J'ai fait un stockage à grosses pierres en plus. Donc... Mais la cheminée, je la fous à l'intérieur ou non, ça sert à rien. C'est pour cuire des trucs, j'imagine. Je sais même pas. Y'a pas de description de quoi ça peut te servir. C'est vrai que, ouais. Bon bah j'ai chopé un écureuil dans mon piège. Bien joué. Bien joué. Ouais. J'ai une tête d'écureuil dans la main. Oh. Juste la tête. Ouais, juste la tête, ouais. Ça fait un porte-clé. Attention à la maison. Oh. Mais il faut tellement de... Ah mais il faut beaucoup trop de bois pour faire une maison dans ce jeu. Je vais passer la soirée à faire du... Il est où le bois que j'ai cassé là? Oh, il est en train de rouler. Encore des petites baies. Putain, effectivement, attends, avant la forêt, elle allait jusqu'ici. Et quand je dis avant, c'était il y a... Oui. C'est pire que la forêt amazonienne, là. Ça ressemble à quoi? Il y a des pierres, le poteau? Ouais, je suis en train de les poser. Hein. Ouais, bien. Comment on fait pour grimper à ce truc? Je l'ai mis là, mais parce que je sais pas où le mettre. Hein. Ouais, je peux pas grimper tant que c'est pas terminé, mais non. Bah, je pense, ouais. Oh, parce que j'avoue que c'est vrai que sinon je me serais arrêté depuis bien longtemps. On a qu'il y a autant de pierres, qu'est-ce qu'on peut faire avec des pierres? Bah, j'ai refait des réserves de pierres. Hein. Abri de chasse, on s'en fout. Que 10 arbres et c'est bon. On a du tissu? Oui. Je pense. Parce qu'il en faut pour fabriquer des torches et qu'on a réussi à crafter des torches. Ah bah justement, je vais mettre des torches sur les murs. Merde, j'ai posé un truc là, mais on peut pas le désinguer après? Il faut que tu maintiennes appuyé C, je crois. Ah oui, t'as raison. Bien vu. Avec sa tête d'écureuil dans la main, ce coup. Bon, je sais pas comment on pose simplement un truc, hein, donc c'est un peu de façon dégueu, mais il y avait pas du bois restant là que je viens de couper. Ça, il y a que des castors. Hein. Pourquoi ta cabane est en train de tomber? Dans ma cabane. Ah là 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 là. C'est bientôt fini. On voit le bout. Oh, du... plus qu'un bout de bois et c'est terminé. Le bout du tunnel, au bout du tunnel. Ah ouais là. Hop. Je n'ai pas de tissu. Voilà. Pas de bol. Ouais, mais c'est fini. Je peux grimper, c'est bon. Ça ressemble à quoi alors? Oh, c'est de la merde. C'est de la merde.
Mec, c'est de la merde, il y a des branches au milieu et tout. Retire-les. Comment je fais pour les retirer? Je sais pas. Voilà, ça, je largue tout ça. Ah, mais il y avait des araignées sous les pierres. Bah ouais. Voilà. Non, je vais casser la baraque si je... Vous voulez venir chez moi un petit peu? Ouais. Allez, viendez, viendez. Je prends le métro, j'arrive. Oh, par contre, putain, j'ai... Par contre, mon ref, faut retourner chercher des pierres, là, hein, c'est pas fini, hein. Comment ça, c'est pas fini? Ramène-moi des... Non, c'est pas des pierres, c'est des rochers. Allez, à moi. J'ai fait, oh, il va se calmer. Ah non. Comme dans... Allez, encore... Pedrolito. Faut encore 32 rochers. 32 rochers. Eh, par contre, si je coupe ton arbre, là, il se passe quoi? Bah, je te coupe la tête. J'ai vraiment envie d'essayer. Y'a mon pote. Oh, je suis dans ton huc là. Ah ouais, y'a un petit, ouais, une petite entrée et tout. Ouais, bah là maintenant, regarde, là ça c'est dégueu par contre. Ouais. J'aurais peut-être choisir un arbre sans branche. Ouais. Là, ça fait vraiment. C'est moyen chez toi. Hein. Moi, j'aurais pas investi là-dedans, perso. On peut pas les couper, les branches? On peut les couper? J'sais pas. J'ai peur de mettre un coup. Attends. Arrête de casser mon truc! Mais non, fais gaffe. Je vais ton sac. Ah, moi aussi. Attends. Ouais, j'aurais dû la faire dans un pain. D'ailleurs, l'arbre que j'ai pris, il est à moitié crevé, mec, regarde. Il est tout frêle, on est d'accord? Non? Je sais pas. Lui, à la prochaine hiver, il est clamsé. Regarde, par rapport aux autres, les autres, ils ont des grosses feuilles et tout. Et regarde, lui. J'avoue. T'as vu? Ouais, c'est peut-être mieux, cela dit, hein, parce que sinon, on n'y aurait vraiment rien vu dans ta cabane. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fait ma cabane, je suis content. J'ai décimé tous les arbres qu'il y avait là, à 30 mètres autour. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien faire après? Une deuxième cabane? Non. Non, en vrai, c'était chiant. Ouais, me ramène des pierres, lui. Ah oui, ok. Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut construire de haut? Une cabane. Plateforme. Qu'est-ce qu'une plateforme? Plateforme moyenne. C'est pour pomper du pétrole, ça. Ah mais attends, plateforme moyenne, c'est pour agrandir la cabane peut-être. Combien de bois pour la plateforme? Combien de bois pour ça? 21. Non mais c'est bon. Pas se casser la tête. Qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? Une table, des chaises, bancs. Ouais, et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'utile à construire, les gars? Je sais pas trop, on vient de commencer le jeu. Le fait qu'il reprenne sa tête d'écureuil dans les bras à chaque fois, ça me fume. Qui ça? Les gars, solution pour boire, on... Bah, il y a un étang ici, et il y a un récupérateur d'eau de pluie. Attends, ici c'est Léopold, il est là-bas. D'ailleurs, j'ai soif dans la vraie vie aussi. Il est où ton truc dont tu me parles? Là, il y a un étang ici. Là. Ici, ah ouais? Oh bah si, mais je peux pas boire dedans direct? Bah si. Enfin, si c'est. Bah non, je peux pas. Alors, autant je peux boire de l'eau de mer, autant je peux pas. Si, enfin, moi je bois dedans depuis tout à l'heure. Ah bon? Non, il me propose pas. T'es peut-être pas assez dedans? Ah si. Ici, pardon. Oh là, j'ai donné un coup de hache dans l'eau, ça, on dirait vraiment un... Oh, y'a... Oh merde! C'est des coups d'épée. Tu es une tortue? Bah, on la bouffe maintenant. Bah ouais. Ah oui. Oh, elle est dégueu. Oh, c'est dégueu, mon pote. Et je bois de l'eau où la tortue, elle est morte, quoi. Ouais. Faut choper des saloperies. Hein. Ah bah là, mon gars. Bah, c'est simple, hein. Bon, bah... On va pousser ça quand même. On peut pas le pousser, le sortir un peu là. Ouais, voilà. Oh mec, c'est deux égores. Mais mec, le jeu il est. C'est un peu dégueu.
Il y a une tortue, elle a plus de carapace, t'as la chair à vif en dessous. Bah, c'est infâme. Bah, tu vois qu'on l'a fait comment le récupérateur de pluie? Oh, mais oui, c'est vrai. Mais oui, il y a un truc trop chelou ici, là, on est d'accord. Alors déjà, ça c'est vraiment dégueu, mais ça, là... Je suis malade. Ah, complètement? C'est l'eau, ça. Oh, je vais aller chercher un vrai verre d'eau. Et de l'eau potable. Je vais chercher de l'eau dans la petite rivière qui est en bas de chez moi. Ça s'appelle la Seine. Reviens. À cette heure-ci, il y a des grenouilles. Oh, attends, c'était quand? Je les bouffe, ramène-les. Dimanche soir, je suis allé faire des courses et je voulais voir la hauteur de la Seine. Je descends sur un espèce de petit. Tu sais, les trucs pour baisser les bateaux là. Ouais. Et mec, je m'avance et là, il y a une espèce de loutre à 1m50 de moi à gauche qui plonge dans l'eau. Ça arrive. Mec, j'ai eu peur. C'est quand même surprenant, hein. Une vraie loutre. Bah mec, ça ressemblait, ça faisait la taille d'un grand chat, quoi. C'est pas, c'est un ragondin. Peut-être, ouais, peut-être plus ragondin qu'une loutre, ouais, mais un truc, ouais, je pense. Ça, quoi. Je connais pas trop les animaux qu'il y a ici exactement, mais oui. C'était un tigre. Mais non, c'est petite nana. Ouais, je vais chercher de l'eau sinon je vais mourir de soif. On est d'accord qu'on commence à être en reste de choses à construire là. T'es obligé d'avancer dans l'histoire. Hein. Et comment je fais pour. Ah, c'est là. Je crois que j'étais bloqué en haut. Un truc genre piège à lapin spécifiquement, bah ouais, ça aurait été bien, hein. Parce que là j'ai un piège à animaux et tout ce que ça. Après, j'ai pas vu de lapin dans le coin, hein. Ouais, attends, c'est quoi ça, piège molotov? Pourquoi toi tu t'arrêtes là? Tu peux aller me chercher des pierres, s'il te plaît? Des rochers. Tu reprends ça. La cheminée avec le moteur de bateau posé à côté. Le petit chat, il est sous le clic-clac dans le bureau. Il doit être caché en dessous. Quoi, il fait 30 ans. Enfin, j'espère, sinon elle a disparu. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? De crâne, ouais, peut-être pas. Chaise en os. Oui, des trucs un peu stylés, mais. Oh, une table ronde. Ça, c'est stylé par contre. Mais la baraque est trop petite. Faut agrandir la baraque. Attendez les mecs, vous voulez une grande baraque? Non, mais elle est trop petite à vitam éternel, les potes, là. Hein? Elle est trop petite pour la vie, là, il y a une muraille autour. Bah, on peut toujours l'agrandir vers en direction du camp, non? Bah ouais, parce que les murailles, de toute façon, je peux pas la fermer là. Après, la muraille, on peut la... On peut retirer les trucs dégueux qu'il y a dans le camp, là? Les trucs des gangans? Ça, je pense pas. Ça aurait été bien, justement, j'aurais bien dégagé ces trucs-là. Pas l'impression, hein. En fait, ça peut-être nous déranger un peu, hein. Non? Ouais, après... Des trucs qui vont rester à moitié dans la... Ah, au pire, on a grandi vers... Bah, vers ici, quoi. Je pense que c'est pas 100% définitif qu'on s'installe ici. Oula, ça, j'ai quand même l'impression que ces machins-là, on peut pas trop les... Non? Il y a des rondins de bois partout. C'est le problème de s'installer en une côte, hein. Ouais. Tu descends et un avantage.
Non mais. C'est pas là, ici. C'est quoi ça? C'est qu'on a coupé des arbres, il y a des rondins de bois qu'on roulait dans tous les sens. Tu descends. Oh l'écureuil! Je crois que j'avais de la viande d'écureuil sur moi. Attends, mais elle va être. Attends, moi, il y a de la. Comment on fait cuire des trucs? Sur un feu. Bah, dans la cheminée, une fois qu'elle est construite, vous pouvez faire cuire des trucs. Parce que là, il y a un petit feu ici. Il est éteint, non? Ouais. Non, pour amener de la caillasse, c'est ça? Pour amener des gros cailloux? Ouais. Pour? Ah merde, ils sont où? Bah, l'autre, il est en train de la ramener depuis tout à l'heure, là. C'est il en reste 9. Ah non. Eh, hey, Pedrolito! Oh! Qu'est-ce que tu avais fait, sale bâtard? J'ai entendu. Je me retourne, il est à terre. Quel enculé, ce mec. Oh, je peux le soigner. C'est bon. Soigne-le parce que moi j'ai besoin de pierre là. Je lui ai foutu un coup de hache à la tête. Ah oui, il repart comme un débile. Regarde. Ah, ça va mieux. Ah merde, j'ai fait tuer Pedrolito. Je lui ai foutu un coup de hache dans la tête sans savoir qu'il y avait le friendly fire. Putain, on est... Voir, c'est pire ouais. Que le Mont Everest là, le truc. Regarde, il y a du papelard partout. C'est quoi ce bordel? Mais mec, pourquoi il y a des sacs? Qui c'est qui a fait des sacs comme ça? Des sacs? Mais regarde, il y a des comme des petits sacs à main de PD là. Ah, oh là là, c'est terrible ce que je raconte. Désolé. Juste des sacs à main, c'est clair, je pense. Je sais pas, c'était pas clair. Ils ont. Non, c'est des sacs à main. T'es payé. C'est une référence à H, rien à voir avec d'autres. Autre chose, évidemment. C'est quoi ça? La chaîne de l'EAP se fait ban demain. Oh, je peux. Bah, on peut faire cuire des trucs là. Je sais pas où t'es. Hop. Et voilà. Regarde ma petite viande. Putain, moi je suis dans la forest. Ah, par contre, faut pas que je fasse tout cramer. Parce que je suis le fils de la forêt. Je suis en train de faire cuire de ma petite viande de. Je sais pas quand ce sera. Ah. Faut l'allumer le feu parce que sinon. Ça va être super long là. Non, ça va relativement vite. Je suis pas en train de cramer ma. Je vais pas cramer mon. Pistouquette. Faut juste pas marcher dedans et ça devrait bien se passer. Et mais c'est bon, il est en train d'étudier le truc, non? Bah, tant que c'est pas marqué. Enfin, tant qu'il change pas de couleur. Bah, là, il a changé de couleur. Bah, c'est vrai que ça doit être cuit alors, ouais. Viande cuite. Ouais! Manger! Oh bah, pétard! Ah bah, c'est bon, je suis en grande forme. Bravo, Toutoun, je suis fier de moi. Par contre, j'ai fait le feu pas très loin de notre petite baraque, mais bon, ça va, je vais quand même pas foutre là-bas le feu avec le petit truc là. Salut Pedrolito! Arrête! Pedrolito, il a le crâne en sang! Je te jure! Regarde! Il en veut plus le pauvre! Il me sourit comme un con! Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Attends, je me prends pas un coup de. Tu fais du bruit chelou toi mec? Moi? Ouais. Parce que j'ai fini de construire un truc. Des petits cling. Bon, Pedrolito, là, il m'en faut encore. Dépêche-toi. Oh, mec, il court comme. Attends, c'est dans un film ça? Quand les mecs ils courent comme ça, attends. C'est dans quoi déjà? Il y a un écureuil qui le suit, mec, c'est indécent. C'est dans quoi ça? La personne elle se met à courir comme ça. Forest Gump. Oh non, c'est dans un mini reportage où t'as un gamin, il va chez le médecin et il fait croire qu'il a mal au cou. Pas la rage. Attends, j'ai tout retrouvé. Attends. Comment je peux marquer ça? Alors,
ça. Oh non, en fait, je l'ai jamais retrouvé. Hop là. Quel est ce bruit? J'ai fini la cheminée. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, comment on l'allume? Avec du bois. Avec du bois? Bah, probablement, ouais. Ça semblerait logique. Hop, alors. Il loue le pétrole, comment on fait pour avoir de l'énergie facile et dense? Ça, mais c'est satisfactoire. Prendre un bateau. J'en ai plus, bien joué à moi. Récupérer. J'en ai un. C'est exactement ce qu'il fallait. Bon, on va bientôt devoir aller dormir parce que mon perso commence à être fatigué là. Ouais, moi aussi. Là. Comment tu fais? T'es obligé de foutre le feu à l'intérieur? Ça, je pensais comme que ça se faisait auto. Ah. Après, tu l'allumes, ouais. En faisant ouais. Tu l'entends sur regarde comme moi là. Vas-y, vas-y. Regarde. Croc. Avec des petites feuilles. Et voilà. Bon, c'est pas. Comment on fait pour mettre? Je comprends toujours pas comment tu l'alimentes par contre. Bah, je pense avec du bois, non, comme ça peut-être. Ah, tu dois si prendre le bois dans ta main d'abord. Ouais. Si je prends ça, est-ce que je peux mettre du bois plus gros? Attends, on va regarder. Ah non, qu'avec des petits bouts de bois, d'accord. Alors, on peut pas mettre du plus gros bout de bois après? Si, mais pas dans la cheminée. On l'avait fait la dernière fois en faisant un feu de joie. Tu peux mettre attends, déjà des petits... J'ai le bois dans la main, comment je fais pour le mettre du coup? Bah, tu cliques. Attends, on peut pas. Il veut pas? Oh, non, on peut pas. Il y en a peut-être déjà trop. Ah, ok. On n'irait pas de dormir. Bon, vous voulez peut-être faire cuire des trucs? J'ai un bout de viande là, je vais le faire cuire. J'ai pas grand chose. Hein. Oh la vache, là il fait vraiment nuit par contre. Hein. Regarde dans tes pieds. Hein. Quoi? Regarde dans tes pieds. À mes pieds, comment ça? Bah, des fois il y a des trucs qui peuvent sortir. Mais n'importe quoi! Eh ben, me crois pas! T'es pas sérieux? De là, là, là! Attends, t'es où? Genre au milieu du camp, genre là, il y a des trucs qui peuvent sortir? Bah, c'est vrai que dans le camp, on en a pas eu encore. Mais le jour, on était je sais plus où et. Ouais, mais chercher la merde, il va revenir au courant. Vas-y, avance, recule. Au milieu de la forêt, mec. Je sais pas. Ciao, les hops. Je vais boire. Mais c'est pas tout seul. Mon pote. Faut prendre des risques dans la vie. Ah ouais, c'est vrai que ça le rend un peu nauséeux de boire dans cette eau là. Ouais. Bon. Ah putain, et maintenant on voit mieux. Les yeux de mon gars, ils sont habitués ou quoi? Ou c'est la lune peut-être, je sais pas, mais genre là on voit bien dehors. Trop pas. C'est le phare, c'est le pharaon. Un phare à fond. Arrière pour te repérer, tu vois de la hauteur ou pas en hauteur? Ah, de en haut, pas du tout. Là, je vois plus rien, par exemple. Tu vois pas mon feu? Mais comment ça? Si, je vois ton feu, ouais. Ah oui, oui. Attends, t'es à 20 mètres de moi, même pas. Heureusement, je le vois. Ah, t'es revenu, je pensais que t'étais parti. Ah ouais, non. Bon, on va dormir. Ah, t'as remis du tissu, les ups? Oui. Bien joué, ça, j'en ai eu. Putain, je l'ai fait droit, j'ai eu le truc qui allait pile poil sur toi. C'était tentant. Avec la lance. On n'irait pas dormir parce que là mon perso est très fatigué. Comme ça il fera jour. Ah, si vous avoir des monstres pop.
Il n'allait pas tant reposer que ça, mon perso. Attends, hop, on va le faire dormir encore un peu. Il est tout fatigué, là. Il est tout gaze. Bah attends, ça remonte pas quand il dort. Non, il se passe rien quand on dort. Par contre, là... Non, mais non, c'est parce qu'on s'est fait attaquer pendant la nuit. Il y a des guingans. C'est bon, je vais... Comment ça, des guingans? Ça nous a réveillés. On n'a pas dormi toute la nuit. Mais putain, il est réveillé, mais il y a des guingans. Je leur ai foutu le feu. Ils sont forts? Non, ça, ils sont nuls. Je crois qu'on en a eu un, là, non? Ouais, ouais. C'est quoi le mieux? C'est la petite lance ou... Je crois que c'est la hache, en vrai. Ah ouais? Moi, j'aime bien leur allumer le feu. Comme ça, ils sont déjà cuits. J'entends encore un. Il suffira encore d'une étincelle. Je sais qu'il se bat encore. Il reste peu. Encore un, là. Vas-y, brûle. Qui te bat? Voilà. Bon, je connais pas sa mère personnellement. Il y a toujours Pedro Lito qui revient là. Comme si de rien n'était. Oh. Merde, j'ai jeté ma torche comme un con. Elle est où maintenant? Bon bah ok, donc c'est pour ça qu'on s'est pas reposé. On retourne dormir? Bah ouais. Si je retrouve ma torche. Genre mais putain, on est reposé qu'à moitié et tout, c'est dur comme jeu, genre. Faut s'économiser la journée. Non non du tout, c'est juste que. Fait attaquer. Ah! On a été réveillé en pleine nuit par une attaque de sauvage sur le camp. Oh, putain, je vois la lune au loin. Derrière les arbres, elle est vachement basse d'ailleurs. Hein? Non, j'ai pas vu, vous étiez au lit, désolé. Ouais. Putain, encore? Mais non. Quoi? Bah, si, si, ça dit ce n'est pas un endroit sûr pour dormir, machin. Nanani, nanana. Allez. Ah, moi j'ai vu Pedro, mais. On voit rien. Ah, il y a un petit. Bah, là, il y a un petit noir. Ah, c'est... Bah, ça va, non? Il fait encore nuit. Et on n'est pas reposé, c'est que. Bah ouais. Faudrait dire à Pedro Lito qu'il arrête de ramener des pierres, c'est bon là. Moi je sais même pas comment on lui parle, Pedro Lito. Tu t'en parles? Ah bah y'a un truc là. Ah non. Non, non, bah il va. Moi je vois rien. Bah moi non plus. Oh. Quoi ça? Ah non, c'est des feuilles. Je veux lui dire de défendre le camp. Ah les gars, moi je vois rien, moi le truc qu'il soit caché. Il s'est pas caché dans ma baraque quand même. Ce serait très fort de sa part. Non, on l'entendrait. Dans ma baraque. Ah. Dans ma baraque, elle sert à rien. Bon, y'a personne dedans. Ça va de marcher sur les cadavres, monsieur? Ouais, ouais. Ah, il brûle vraiment? Il est vraiment en train de se consumer? Qui? Bah il y en a un là, il est en train de cramer. Le cuir. Maintenir la base, je veux dire. Oh, faire il est en train de devenir tout cramé là. C'est lui que j'ai balancé dans le feu. Mec, c'est chelou. Oh, c'est gore comme jeu, mec. T'as jamais fait ça dans la vraie vie? Eh mec, c'est horrible. Ah ouais, ça fait des os. Mais mec, justement, ouais, c'est pour ça. Je voulais essayer justement. Quand tu le fous dedans, ça fait des os. Mais tu vas voir comment c'est bizarre. Quand il crame. Ah, j'en ai trop. Léops, faudrait construire un abri. Un truc de. Attends, je vais le faire. Regarde, un réservoir à os. Un réservoir. Regarde le mec qui est en train de cramer là. Bah, c'est bien, non? Mais regarde, c'est trop. Enfin, il n'y avait pas besoin que ce soit si réaliste quand même. C'est vrai que c'est bien fait. regarde les yeux d'ici. Regarde, décale-toi à droite. Attends. Regarde à droite. Ah bah voilà, y'a plus... Y'a plus. Y'a plus. Mais les mecs, mais c'est... Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je fais des rêves chelous avec vos trucs. De toute façon, on peut même pas dormir. Ah mais si, là, c'est, coucher, ça doit être bon. On va faire des petits cauchemars là, c'est bon. Attends. Je regardais c'est quoi pour faire des réserves. Ah c'est la réserve d'os. Ah mais attendez, moi je peux poser ma. Mais on a une carte électronique ici aussi. Ah mais ça c'est la boombox non? Bah je sais pas, il y a une carte électronique par terre. Juste à gauche. Ouais. Bon allez, petit dodo.
W. On s'en charge, hein. Vous l'avez crafté ? Hein ? Le lit, c'est vous qui l'avez crafté ? Ouais. Le lit, ouais. Ouais. Ouais, le lit qui va pas tenir 30 secondes avec A3. Voilà. Arrêtez là... d'applaudir, s'il vous plaît. Là, il fait jour. Et il reste encore un gars à faire cuire. Alors, ils ont pas cuit, on les a désintégrés. Hein. Ouais. Oh, et encore. Oh putain, je l'ai. Merde. C'est encore plus le bazar qu'avant, je sais pas si vous rendez. Je l'ai encastré dans la cheminée. Ah merde, ça je l'ai mal mis. Je vais pas le mettre là du coup. Je pense que là, s'il y a des guingans qui arrivent, bientôt ils auront peur de nous. C'est nous les sauvages. Et normal. Oh, il y a un arbre qui a repoussé, je te jure, il repousse ces arbres, regarde. Mais non, mais quand on a un trophée de chasse au-dessus de la cheminée, c'est pas dans ce sens-là normalement. Regardez, il y a un arbre qui a poussé après, à côté de ma cabane. Ah ouais, ça repousse. Ça repousse un peu, ouais. Ta cabane aussi, elle va monter en hauteur, tu vas voir. Là. Y'a qu'un du petit bois à mettre là-dedans, là ? Dans la réserve de petits bois, au pire. Non. Ah, y'en a. Allez. Oh là là. Ah oui, bien vu ça. Bien vu ça, copain. Tu connais Saint-Gobain ? Ben, merci. Saint-Gobain ? C'est un copain. Ah, là il commence à brûler. Quoi ? Et il commence à brûler le gars ou pas ? Non. Pourtant il est dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? À part brûler des lents ? Ouais. Attends, je vais le foutre dedans parce que. Une jardinière. On peut faire un sentier. Ah là, on va bien voir sa gueule cramée, attends. Bien vu. Arrêtez de lui marcher dessus ! Traîneau à bûche. Petit clapier. C'est d'accord. Ouais, ça, on en a déjà un clapier. Ouais. Je vais aller rouler. Cabane d'arbre, ça, je l'ai fait. Mon piège. Il crampe pas. Petite plateforme. Plateforme je moyenne. Dis, il est pas bien mis. Attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Oh là là, très bizarre composition. C'est bon, il a brûlé. Il est plus dedans là, on est d'accord. Ah non, il est devant. Oh là. C'est peut-être pas le bon. Ah, il brûle. C'est bon. Ah, il brûle. Regarde. Ouais, ouais. Analysons cette. Cette décomposition. Mais toi, je t'ai dit de te reposer. Quelqu'un lui a dit d'aller chercher de la pierre ? Moi. Ok. Je crois que tu te restes, celui Pedrolito. Regarde comment il court. Ah, il me suit. Mais... J'ai cru qu'il allait te frapper. Comment il est arrivé ? Ouais, un petit peu quand même. Comment on dépaisse. Comment on dépaisse un cadavre ? Un cadavre. Faut qu'on aille chasser. Comment on fait un arc ? Ouais, j'ai pris un raton laveur dans mon piège, mais je sais pas le dépecer. Lance. Arc artisanal. Il faut. Oh, il faut du scotch, putain. Je vais chercher du scotch. J'essaie de retourner à la cabane de tout à l'heure, de celle de. Il y a quelques jours là. Pas l'air de fonctionner. Ah, faut que je boive de l'eau, tiens, c'est là. S'il y a de l'eau qui est potable ici, sinon je ferai jamais le retour. L'eau, elle est. Ah bah, il y en a ici aussi, tiens. Comment ça ? Bon, allez. C'est parti à l'aventure. J'ai pas des trucs à manger là ? Super. Ouais, bah. Je sais pas, j'ai un cadavre de raton laveur à côté de mon piège, mais je sais pas comment faire. Embêtant. Impossible de porter plus de cailloux. Y'a pas
pas des trucs à ramasser là-dedans. Oh là, il y a des caisses là. Ça s'ouvre à mon avis. Ah non. Ah bah, il y a des... Ah, c'est pas des... Oui, d'accord. Ce sont des... Des petites... élèves, cercueils. Sur moi. Hein, t'as des os, t'as une armure en os. Partout? Non, seulement sur un bras. J'ai ramassé des baies de Saint-Pro Fifine. Pas quoi là? Pas si ça se mange, mais. Mais du coup, on peut se faire des armures, les gars. En os! Oui. En os! Exactement. Oh, style. Qu'est-ce que je suis en train de foutre là, équipé du fil? Choc flèche imprimé en 3D. Je vois, ouais. Parce qu'il y a des trucs qu'on respawn ici. Un petit bateau, non. Ouais, là-bas maintenant. Un bloc de C4. Des flèches de pierre, oui. Logique. Ah, mais attends. On récupère du tissu à la base. Hein. C'était pour mettre le tissu déjà. J'aime pas. Moi? Bah, je sais pas, c'est marqué récupérer. Oh, hé, oh! Hé! Ah, c'est pour la torche. Y'a un connard? T'arrives, t'es où? Bah, dans le camp. Littéralement, je suis mort. Voilà, je suis mort sur la réserve de pierre. Toto, tu viens nous aider là. Mais attends, moi, je suis au bout du monde, mec. Je suis vraiment au bout du monde, mec. Le temps que je revienne, si vous les avez pas tués, c'est que. Oh là, mais ils sont trop balèzes! Ils me lancent des trucs, ils courent trop vite! Bon, bah attends, je respawn. Ah bah, ça donne pas trop envie de venir, je t'avoue en plus. Oh là, je suis mort! Elles sont vraiment balèzes. Ils sont plus forts que celles tout à l'heure. Et ils ont pas la même couleur. Genre, ils ont un truc bleu sur eux. Ouais. Je veux dire, c'est raciste ça. Je respawn, Leps ? Ouais, ouais. Bon, en tout cas, je respawn. Alors. Là, je suis retombé sur un des camps. Ces trucs à ramasser. Ah, j'ai pas l'impression. Ah, mais du coup, faut qu'on aille chercher nos... Ouais, bah ça va. Hein ? Il est pas loin. Mon sac ? Ouais, mais s'ils sont là, j'ai que le couteau, là. Moi, j'ai ma hache. Putain, je retrouve pas trop le camp de tout à l'heure. Ils sont là, putain, ils sont pleins. Toto, le ramène-toi. Attends, je suis perdu. Ils sont où ? Bah, ils sont où ? Derrière la... baraque. Ah, mais c'est là. Là, il y en a un qui arrive derrière toi. Ah ! Putain, je suis... Il arrive. Elle a été régénérée, la mort. Hop là. Oula, mais attends, mais c'est des ninjas. T'as vu, ils sautent. Ouais, bah beaucoup moins bien sauté sans sa tête là. Ouais, de ouf. Elle a beaucoup moins bien marché maintenant. Oh putain! Où on a retourné une? Merde, j'ai retourné une. Ouais, c'est contre-attaque! Oh, putain, je suis à terre aussi! Oh là là! Celui-là, il est trop balèze là, il est contre-attaque! Ouais. Faut faire des flèches, je crois. Ouais, et lui, il balance la lance aussi. Eh, hey, il est parti prier sur le cadavre! Je sais pas si tu le vois, Nerfs?
Attends, je suis en train d'aller récupérer mon... Regarde, derrière toi, il est parti prier. Derrière toi. Ah ouais. Oh là là, je suis dans un endroit trop chelou. Il est où ce putain de camp? Ah. Ça ressemblerait à ça. Ah non, c'est un petit lac. Il y a un nombre d'animaux là où je suis. Bon, il est où? Je sais pas, mais il est pas loin d'ici. Oh. Et l'autre zigoto là qui est toujours en train de... Ouais. En fait, j'ai faim. Je me demande si c'était une bonne idée de faire le camp ici. Je me demande si... si du coup il y aura pas de... Endroit, en fait, où... Ouais, ouais, où il respawn. Oh. Mais ouais. C'est temporaire, hein. On déplacera tout après. J'ai pas l'impression que ma petite cabane dans les arbres là où j'ai pété 50 arbres, elle se déplace. Hein. On la refera. Bon bah j'ai pas retrouvé la tente. Non mais c'est chelou, attends, je vais réouvrir le truc là, case, Son of the Forest. Ah c'était plus à droite alors. Oh, oh y'a un singe. Singe, moi pas, je veux pas te faire du mal, d'accord? Calme-toi, calme-toi. Moi j'aime la sauce aigle douce. quel délice. Oh, j'ai retrouvé la tente, je crois, avec la flair. Si c'est la même, est-ce qu'il y a toujours le mort-vivant qui est là? Il est plus mort que vivant. Tu vois là, j'ai tué un oiseau là, un piaf, et pour le DPC, j'avais juste avec le couteau. Mmh. Ouais, bah je sais pas. Peut-être que ça faisait trop longtemps qu'il était pris au piège et que du coup il a. Ouais, je sais pas. Il a dépéri. Yeah. Ah, mais genre les têtes, c'est des trophées. Ouais. Les gars, alors sachez qu'on peut retourner. Alors, soit j'ai oublié de. J'ai peut-être oublié. Ouais, je pense que j'ai oublié de récupérer des trucs l'autre fois. Ah, mais il est là. Il y a encore un gars. Et... Ouais, il était dans la cabane tout de suite. Sérieux? Toi, tu sais, il y a un mec dans ta cabane, tu feras gaffe. Ah, c'est bon, il est descendu. Les gars, pour information, j'ai ramené des trucs assez intéressants. Par contre, je sais pas si je peux vous en parler. C'est-à-dire? Bah, je sais pas si on en fera bon usage, quoi. Ah. C'est des grenades? Ouais. Ouais. Oh, il m'en a collé une. Ah, il m'en a collé une deuxième. Il est au sol. Ça, vous êtes... Je suis au sol et il est au sol aussi. Ok, j'arrive. Achève-le d'abord. Il est où, il est où, il est où? Il est devant toi, du coup. Ouais. Putain, il s'est relevé, là? Non. Il se relèvera plus, il lui manque une jambe. Un peu comme il y a de l'archébède là. Il y a vachement de vent là où je suis. Allez, amène-toi. Par contre, je suis trop mal. Bon, allez, je reviens. Par contre, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de soin, bouffe. J'ai faf. Ou si on peut manger du gangan, ça peut être pas mal. Ah bah attends, j'ai envie de le mettre dans le feu alors. Merde, trop tard, il a cramé. Ah, il y a du champignon. Mais comment on fait pour manger de façon saine dans ce... Enfin, saine. Sûr, dans ce jeu, parce que là c'est. Bah, je pense qu'il faut chasser et faire cuire. Chasseur-cueilleur, quoi, là. Ouais. C'est quand même complexe, hein. C'est un peu précaire, quoi, comme situation. Il est où, Uber Eats? Je dis ça, je même dans la vraie vie, je prends pas ça. Il y a une petite baie de je sais pas quoi, là. Ouais, bah l'histoire elle doit être sympa, mais le jeu sinon il a l'air. Je pensais que c'était plus complet, tu vois. Sur le craft là, on est vraiment au début. Hein. Et faire une grande table en bois au milieu de la grosse baraque. Et ouais, mais je pense que tu débloques des trucs au fur et à mesure, mec. Bah peut-être, ouais, parce que là concrètement, le jeu il va juste consister en termes de craft à faire une grosse baraque avec une grosse table. Je pense pas, hein. Et à abattre que... 150 arbres, quoi. Piège à poisson. Oh, y'a mais. Mais gars!
Ouais. Je suis là. Par rapport à ici, regardez au... À l'est, il y a de la fumée qui sort d'un endroit. Ouais, bah c'est comme ça qu'on a découvert le lieu où on est. Hein. J'ai envie d'y aller juste pour voir à quoi ça ressemble. Vas-y, hein. Où les hops, c'est... Je vais mettre un piège à poids. Putain, j'étais tellement mal que je suis mort en tombant. Ah, t'es... On peut mourir, je pensais qu'on pouvait plus mourir. Bah, comment ça? Elle est où la fumée? La fumée elle est là-bas, bah je marche tout droit. Je l'ai depuis tout à l'heure, je mange pas, je bois pas et je suis bien. Non mais là c'est juste que... Genre j'ai sauté d'un peu haut et c'était trop. Comment je mange mes petites baies là? Enfin mes petites baies, je peux pas manger de la caillasse? Tu peux manger de la caillasse ici. Ah, des petits champignons. Je sais pas ce que c'est. Caillou. Baie de je sais pas quoi, c'est un frône. Pas comment on les transverse, transvase. Oh, il est où ce petit camp là? Oh. Un chasseur-cueilleur quoi, n'importe quoi. Là j'arrive bientôt à l'endroit où il y a le camp, je pense. Je vois plus la fumée parce que je suis en pleine forêt. Donc, reprenons. J'étais en train d'aller sur la plage pour mettre un piège à poisson dans la mer. Hop, merde. Oh, c'est vers là-bas. J'ai envie. Je suis foutu. Oh putain. Ils ont une bonne ouïe ou pas? Et le mec il a une massue dans la main. Attendez, je vais balancer de la caillasse. Je te jure mais mec c'est trop horrible parce que... Jamais ça marche ça. C'est beaucoup plus profond. Genre là c'est bien. Tu peux leur piquer des trucs ou pas? Vous voyez là où je suis ou pas sur le plan? Non, plus maintenant. Bah juste là. Oh! Voilà, je me cache derrière un arbre. Mais je me rends pas compte à quel point il... Il est en deux temps. Enculé. Je suis mort. Je perds pas tout ce qu'il y a sur moi quand même quand je meurs. Non. Faut que tu retournes chercher ton sac par contre. Oh, si j'ai perdu mes grenades et tout. Les gars, ouais. Je suis pas mort. Ouais, mais t'es attaché à un piquet. Ouais. 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 Et Et tu peux. Si je me détache, il se passe quoi? Faut que j'attende? Non, c'est bon. C'est juste que faut que tu te détaches. T'as un couteau normalement, tu peux te détacher. Ouais. Et que tu retournes chercher ton sac. Il m'attaque. Je sais pas où il est mon sac, il est dans les trucs. T'as un point d'exclamation. Ah bon? Oui. Mais où? Non. Bah où il y a ton sac? Non. Quoi non? Non, il y a pas. Attends, faut que j'ouvre le GPS là. Non. Sur la map, t'as un point d'exclamation. Non, il y en a pas. Ah si. Non, il est même pas sur la carte en vrai en fait. Oui, en vrai, oui. Ah mais ils l'ont posé à côté de moi.
l'ont posé dans leur camp. Oh mais c'est gentil ces gars là. Ah mais c'est bien là. Ah bah, je suis mort mais les mecs. Encore. Bah parce qu'en fait pour ramasser ton sac. Ah oui. Faut appuyer sur E longtemps. Ah oui. Et le sac il est au milieu de leur camp. Eh oui. Pas le problème. Eh oui. Oh, il est encore au milieu du camp le sac. Faut que j'attende qu'il s'éloigne. Je sais pas trop. Les mecs. Sinon il faut qu'on vienne faire diversion. Attendez, il y a combien de gangans? Il y en a un, deux. Il y a plus que deux. Je suis pas fait niquer par deux bonhommes. On a bien réussi à se faire niquer par un bonhomme. Donc. Ok, je me détache. Je récupère direct le truc et je me barre vers chez vous. Au pire, ils viendront. Ramasse ça vite, s'il te plaît, mon pote. Me casse. Réflexe de survie. Imagine si tu fais ça en vrai. Le vieil humain moderne et nul, il est caché à un endroit dans un buisson pour échapper à la mort. Et là, il a une petite allergie, tu vois. Allergie au pollen, éternuement, fin de parcours. Truc avec Mash. Oh, je l'ai foutu un coup de hache dans la tête, mon gars. Ah, ouais, la hache, c'est mieux. Hein. Oh putain, il y en a encore un là. T'es vers moi ou t'es ouais, je suis vers le camp, bah je suis mort. Et lui, mais attendez, la hache c'est bien mieux. Sérieusement. Ouais, la hache c'est pas mal en vrai. Mais mec, c'est bien mieux que la vieille lance pétée. Mm. La lance c'est bien pour pour lancer du coup. Ah ouais. Pas loin du camp, t'es un peu loin, chef. Moi je ramène un gangan. Moins loin que Lico. Moi je ramène un gangan. Par contre, je vois personne autour de toi. Ah, normal. Ah. Pose des. Oh merci. Qui t'a niqué? Bah je sais pas, il y avait un gars là. Ça se mange les gangrottes du coup. J'espère que c'était pas des hallucinations parce que j'ai faim. Oh là, il y a une tombe à creuser, chef. Oui, oui. Ah putain, vous êtes tellement loin. On a pas de pelle. Attendez, On a pas de paille. Ouais. Petite question, les gangrottes, ça se mange vraiment ou pas? Bah ouais. Faut les cuire. Et faut les cuire. Je ramène un. Hein. C'est bon, j'ai le casse-croûte de ce soir, c'est un peu bizarre, mais. En fait, on est en train de devenir des gangans aussi. Hein. C'est simple. On rentre dans le camp, c'est dans le thème. Hein. Mis à part faire des grandes cabanes en bois, on est tout pareil. Hein. On n'est pas bien pareil. Il y a même du plastique. L'homme moderne. On a coupé des arbres et on a foutu du plastique par terre. Il y a un gangan sur la plage. Ah bah voilà. Ah bah c'est celui qui a... un petit peu, c'est vu que j'ai un gangan sur l'épaule, il va peut-être pas le prendre. Tu sais pas ce que je veux dire. Bon bah j'ai réussi à l'esquiver. Vous avez faim. Ramène le casse-croûte. Il y a encore des sauvages longs ou pas? Un village vers chez nous, non. Ok. Comment j'en vois pas. Ok. Ok. Comment on fait pour le manger, lui? Faut que tu le démembres, ça dit rien. Mais fous-le par terre. Non, pas vers le feu. Pas vers le feu. Oh, mais j'ai pas fait exprès, mec. Je pensais pas que je vais le lancer à 4 mètres. Eh, t'as bien là. Fous-le là. Bah attends, on va le foutre comme les autres, là. Vas-y, si tu veux. Voilà. Prends ta hache. Ouais. Et là, tu coupes. Yep. Les mains, les pieds. Vas-y. Voilà. Voilà. Tu peux faire pareil avec les bras, la tête. C'est bon. Non, bah non, mais faut que tu vises bien. Regarde comme ça la tête, regarde. Hop là. D'accord. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Attends. Bah, va mettre les pieds déjà. Dans le feu.
Regarde, 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 tu vois la tête là? Mais elle fait rater. Putain, mais mec, mais non, mais j'ai. Faut que je me regarde un truc hein, après, hein, avant d'aller me coucher. Regarde la plateforme 2, non? Je sais pas. Alors là, je prends le pied, jambe crue. Déjà. Voilà. Mec, déjà, le mec qui a pas compris, il regarde son inventaire, il voit marqué jambe crue. Il fait non, quand même pas. Parce que si tu précises. Tiens, ça, ça se mange pas. Si tu précises qu'elle est crue. C'est que l'état suivant il est envisageable. Là j'ai... c'est bon, j'ai la jambe dans la main. Et là je la mets sur le. Ouais c'est ça. Et j'ai pas compris si vous. Comment ça? Mais... Ah non d'accord, ok, oui d'accord, j'ai... là j'ai les jambes de la main gauche, je les prends et je les mets dans le. Voilà. Il est passé, voilà. Bah, c'est cool. Attends, je te rajoute la tête. Non, c'est bon. Et le bras. Regarde par terre. Il y a des canettes. Il y a des ossements. Là, t'es en train de mettre tes pieds dans de la bouillabaisse. Avoue que c'est chelou quand même comme jeu. Mais non. Il y a un piaf. Il y a un piaf. Ah, les piafs, faut les buter. Il y a un piaf dans le feu. C'est meilleur pour manger les pierres. Ah merde, ah bah oui, je suis devenu un petit sauvageon, j'ai pas pensé à le manger. Mais les pierres, là, c'est quand c'est cuit ou faut attendre encore, tu penses? Si c'est vert, je crois que c'est bon. C'est pas vert, c'est rouge. Ah. C'est sûr qu'on peut les manger, les hops? Bah on peut. Quand c'est rouge, c'est bon, encore cuit. Bah là c'est cuit, là, ouais, là tu peux y aller. Ouais, mais regarde, moi ça me met rouge pour le bouffer. Ah oui, bah j'ai pas dit que le perso il allait apprécier, mais. Ah oui, ok, ok. Moi j'ai commencé à croire qu'on apprécie hein. J'en cuite, mais comment tu vois que c'est rouge ou pas? Le quand t'as un bonhomme rouge qui apparaît. Ah, moi je fais manger. Petit droit. Ah je suis un peu malade mais juste un peu. Ouais, tu t'habitues. Tu veux manger? Moi j'en veux bien parce que là je suis vraiment. Bah tenez les potes, En vrai ce qui serait bien, ce qui est bien c'est que quand on tue quelqu'un, on le démembre, on laisse les cadavres par terre, ça attire les oiseaux. Il est où? À mon avis, dans ton inventaire. Oh, il a disparu, je crois. Ah non, attends, je l'ai fait clic. Oh merde, non, j'en ai remangé un. Oh, j'ai mangé deux jambes. Je suis désolé. En vrai, quand on tue quelqu'un, faut laisser le corps là. Ah, on piaf. Comment tu le poses à toi? Appuie sur G. G, bah G, ça a rien fait. Le coup d'avant. Ouais, ça me remet dans mon inventaire. Dans son sac directement. Oh, putain, j'ai mangé deux jambes, j'ai fait clic droit dessus, comme un con. J'ai mangé deux jambes, putain. Là. Comment je fais pour le poser là? Bah, je peux te taper avec. C'est pas moi, c'est le bonhomme. Bah, je peux pas vous le donner, on dirait, c'est bizarre. Attends, on va essayer un truc. Attends, vas-y, mec, je le remets sur le feu. Vas-y, ramasse-le. Voilà. Bon, désolé, par contre, j'en ai gaspillé un. Ah, pas grave. J'ai bouffé des yep. Deux jambes. Il y a des assiettes par terre. Pas des trucs un peu ça là. Y'a pas des écureuils ou quoi qu'on peut défoncer là? Ah, l'écureuil, y'a pas grand chose à manger, c'est ça le problème. Ouais. Ouais, en vrai, les mouettes, c'est pas mal, mais. Ah, tout à l'heure, moi j'avais une tortue, c'est cool aussi. Une mouette, en vrai, ça remplit bien. Ah là, j'étais en train de fabriquer un piège à poisson, mais comme il y a un guingamp sur la plage, c'est un peu compliqué d'aller le finir. Ah oui. Ah bah, on y va ensemble si tu veux. Ouais, j'avoue. Bah là, je viens de crafter un arc. Mais en plus, ça fera à manger, c'est cool. Ouais, et il y a toujours mon piège à bestiole là. Allez, vas-y, on va le niquer. Moi, faudrait que j'aille dormir par contre. Mon pote, mon perso, il est un peu fatigué là. Là, j'ai ramassé de la viande crue. En tout cas, il y a un camp de gangans, donc si on a vraiment faim, on peut aller les attaquer. C'est terrible de dire ça, c'est que eux ils font la même chose la nuit en fait. Attends, je vais faire cuire ça vite fait. Il est toujours sur la plage? Je sais pas. Il est reparti voir ses potes, à mon avis. Hein. Bah, tant mieux. Bah. Après, c'est peut-être nous, ses potes. Il veut juste jouer avec nous.
Ah, lui, il a réparé la structure, il est en train de remettre ça bien au propre. Oh, c'est quoi ça? Ah, vous êtes parti? Non, non, je suis toujours au cœur. Ah, putain, il y a un piège à poisson, ouais, j'avoue. Ouais, faut mettre des. Faut mettre des bouts de bois dedans. C'est bon. Et bah voilà. Et comment on fait pour ramasser le poisson? Récupérer. Je sais pas, bon. Oh, il y a un piège à poisson. Pense qu'à un moment, il y aura du. Ça nous évitera de manger du. Faut revenir de temps en temps, il y aura peut-être des poissons pris dedans. Vous tombez de fatigue. Bah, faut que j'aille dormir. Oh, il y a des trucs à looter là, je suis sûr, sur la plage ici. Ah non, il y a juste des canettes. Attends, il y a combien d'humains qui ont terminé sur cette planète? Sur cette... Bon, après... Des déchets sur une plage... Oui. Non mais là, en fait, ça se voit vraiment parce que t'as des trucs qui sont ouverts dessus. J'ai encore de la viande de... Je sais pas, d'écureuil, je pense. Qui a faim? Moi pour le coup ça va, je suis juste extrêmement fatigué, presque comme dans la vie réelle. Bah, je vais la faire cuire quand même parce que je pense que ça va se perdre sinon. Ouais. Ah oui, j'avoue que... Ah mais même ça c'est en train de devenir vert un peu, non? Non, ah non. Non bah non, ils ont pas prévu ça quand même, les mecs, ils sont pas là. Moi j'avais des jambes humaines dans mon inventaire, je les ai laissées un moment, elles ont fini par pourrir. Ah mais du coup tout à l'heure ce que je disais c'est que les guingans là, une fois qu'on était mort, il y en a un, il est venu là devant ce truc là, ouais. Et il s'est mis à genoux. Ouais, donc je pense que je me demande si c'est pas un point où ils spawnent, ou en tout cas où ils viennent. Ouais. Bizarre parce que quand je dors il se passe pas grand chose quand même, hein, niveau repos. Il faut qu'on dorme tous, non? Ah ouais, même pour juste pour se reposer, pas juste pour passer la nuit. Ben, ouais. Je sais pas. Vas-y, bah je sais pas, moi quand j'appuie que je fais W, il se passe rien. Ça me dit juste 2 sur 3 là. Oh, nouvelle ligne Paris-Berlin en train, incroyable. 8 heures de trajet environ. Ouais. Ah ouais. Oh, tu vas en voiture. Ah, des ennemis à proximité. Comment c'est possible? En plus, c'est fini maintenant, les gars. Ah ouais, oh là. Oh putain, ils sont vifs. T'as l'impression que ça passe plus sans vif, hein. Oh là, ils m'ont niqué. Je passe de l'autre côté. Ah, ils m'ont niqué aussi. Je réapparais ou... Oh la vache, ils m'ont niqué en un coup. Bon, bah, on est tous au sol là, c'est ça? Ouais. Attends, en un seul coup, ils nous niquent. Après, on n'est pas très très en forme non plus. Ouais. Oh putain, mais là, on est vraiment chez eux, hein. Ils sont en train de péter tout notre camp là. Ils cassent les trucs. Bah, je crois. Hein. J'ai réparé juste avant en plus. Il est rentré dans la baraque. Bah tant mieux, au moins il est enfermé. Mais là il est en train de te niquer toi, mec. Putain. Comment je ramasse mes... Oh j'ai suis déjà. Ah ouais mais ils sont armés de ouf là. Armure et tout. J'ai l'impression que plus on passe des jours, plus on se fume. Ça devient difficile. Hop, je prends ma petite arme. Oh, mais il m'a encore one shot. C'est n'importe quoi ça. Je suis foutu un coup, je cours. Viens là, petite PD va. Pardon? Oui. J'ai niqué. Vas-y, casse-toi. T'as peur. Il se barre en courant, le bâtard. Il a eu peur, c'est bon. Oh, il y en a un. T'arrives, mec. Vite, je récupère mon sac à dos. J'ai envie de te niquer, toi. C'est ça, je le vois plus. C'est bon. C'est bon, on l'a eu. Pour le faire cuire. Bah non, on laisse. Il est où, leur chef? Il est où, leur chef? N'importe toi, laisse le cadavre là. Ou rapproche-le de la lumière pour qu'il y ait les mouettes. Les mouettes? Ouais. Frère, laisse le tu lui pas le cadavre. Justement, regarde, on va foutre ça là, il y aura des mouettes qui vont s'approcher et c'est mieux à manger.
Et ils ont des bourses en cuir sur eux, ramassez-les, c'est y a du loot dedans. Ouais, faut les ouvrir. Ah oui, il y a des mouettes. Ah, j'ai pas réussi à avoir la mouette. Prendre une lance. Avec ta lance, avec ta lance. D'accord. Mais je l'ai mis à la lumière, chef, tu vas où? À la lumière, hein. Mais là, sous la torche, comme ça, les mouettes... Comme ça, les mouettes, je les attaque plus simplement. Ouais, j'en ai une. Elle est où, la mouette? Je m'entends, mais je la vois pas. J'ai soif. Ah, c'est juste du blanc de... Du blanc de poulet. Putain, je vois rien, là. Merde, je l'ai pas eu. Je vais voir Pedrolito à la place. Pedrolito. Ah bah je suis malade. Mais comment t'as eu ça? J'ai bu l'eau de la Seine. Tu l'as eu? Non. Putain, comment on fait pour jeter? Genre là j'ai ramassé un bras mais j'arrive pas à le jeter. J'ai pas spécialement envie de répondre à cette question. Hein? Comment ça? Un bras? Bah j'aimerais bien jeter le bras. Je veux pas paraître trop calé sur ce genre de questions. T'as bien voir tout les rochers. Ouais. C'est toi là? Ouais. Là là, toi. Ouais. Tu fais voir, regarde, attention. Mais pourquoi tu le secoues? Putain. J'ai cru que t'allais mettre ta main dedans et le faire parler. Bonjour les enfants. Bonjour, c'est dangereux. Oh, y'a une petite mouette. Mais putain, j'arrive pas à jeter la tête. Comment je fais pour jeter la tête? C'est gênant. Non, ça marche pas. Ah. Je sais pas. Attends, je reste là. Oh, attends, non. Pedrito, il est chiant. Mais là, il est surtout il est bloqué. Merde, je suis fatigué. Qu'on aille redormir, les potes. On n'a pas une nuit complète. Ouais. Oh. Petite mouette. La mouette. Bon, allez, dodo. On va se refaire niquer, tu vas voir. W. Attendez, je prends ma peluche. Pour dodo. Ah oui, un petit truc, oui. Pour... Ah, quelle belle nuit. Ben, perçu, il est à moitié fatigué là. J'ai faim. Oh non, le feu s'est éteint. Oh, ça perd du poupette. Pourquoi on a une étagère avec des têtes dans la maison? Hein? C'est la decoration. C'est un vrai jeu de sauvageon. Mais vraiment. Bah, il faut bien meubler un peu, non? Oh, Pedrolito. Ah non, c'est bon, il était couché par terre, je croyais qu'il était mort. Sinon, on l'aurait mangé. Je l'aurais mangé. Merci Pedrolito pour tout ce que tu nous as offert. On le raconte. Bah j'ai encore faim. Ouais, moi je vais pas tarder aussi. Je vais aller relever le piège à poisson. Ouais, si, ah merde. Faut que je le mette dans. Merde. Comment on fait pour mettre des trucs dedans là? Il y a une icône normalement sur le feu. Merde. Non, j'ai mangé. J'ai mangé de la viande de crue. Et comment on fait pour ouvrir le menu? Ah, c'est bon, je l'ai. Oh non. Il y a un singe, J'ai fait n'importe quoi. Il est où le singe? Attends. C'est barré.
Là, il y a un piaf. Lance. Je peux lui lancer dessus en vrai le piaf. Ouais, je l'ai raté. Bah, moi, je l'ai eu. C'est vrai ? Bah, ouais, easy. T'as un petit trait. Quand tu veux. Ouais, ouais, je sais, ouais. Mais je l'ai raté. Attends, je l'ai foutu. Et voilà quoi. T'es mis la chine. Je vais te calmer par contre. Et hop, Pedrolito. Non quoi ? Dis non quoi ? Tu es sûr que tu veux jouer avec moi ? Attends. Bouge pas. Alors, si je peux te permettre. À ta place. Je suis sûr de toi. En fait, j'étais en train de regarder mon inventaire quand tu. J'ai envie d'essayer en vrai. Oh, mais y'a. Y'a des. Y'a des. Attends, mec. Y'a des singes plein la plage. Attends. Attends, viens voir les Ops, viens voir. Non, mais ils sont 4. Ah, putain, attends, ouais. Viens, on va aider les Ops. Mais oui, on va l'aider avec la grenade. Enfin... Mais là, je voulais faire sauter ta baraque, moi. Oui, moi aussi. Tu tapes quoi, là, les Ops ? Des singes. Ah ouais, parce qu'on les voit pas d'ici. Ah ouais, putain, si, exact. Non, je les vois pas. Ah, si, c'est bon. T'inquiète. La grenade, c'est sûr qu'elle met du temps à péter. Viens ici, viens ici. Prends lâche. Tu vas où ? Viens ici, Gollum. Il y en a plein. Ouais. Viens, on va les enculer, viens. Là, il y a de la viande pour 10 jours. Je t'y ai habitué très très vite quand même. C'est vrai. Bah venez. Mais ils sont moches. Ouais. Ils se barrent surtout. Ouais, ils ont. Mais c'est pas des singes. Ouais. Ah, t'es pas des singes. Ah, mais c'est quoi cette merde. Putain, mais je crois que tu m'as mis des coups en même temps. Ah merde, pardon. T'es mort ? Ouais. Ça va se relever. Merci. C'est quoi ces merdes ? Allez, c'est quoi ces trucs, les gars ? Mais je mange pas ça, les gars ! Ah, ils sont tout boursouflés. Allez, on balance. Putain, il tape. Ah, il fait mal, hein. Santé faible, trouver des médicaments. Non, j'en ai des médicaments. Alors, ouais. Manger. Hop. Allez, j'ai mangé des médicaments. Moi, c'est bon, y'en a plus. Je crois qu'il y a un truc dans le camp qui essaie de me niquer. Ah, y'en a un qui s'est barré. Attends, on arrive. Ouais, y'en a deux. Mais... Oh putain, y'en a un qui est là. C'est Pedrolito. C'est tout. C'est Pedrolito. Tu flippes un peu trop vite, je trouve, quand même. Mec, tu réapparais, tu vois un bras qui passe à travers ton corps là, quand t'es contre le mur. Tu te retournes, t'as un humain. Attention, il y en a un à gauche là. Il est passé où ce bâtard ? Il est là. Non, il y a deux là. Ah ouais. Attends, j'ai crafté un arc, il faut que je me fasse des flèches là. Oh là, il y en a plein. J'ai des poissons à cuire. Hop. Ils vont me niquer, hop. Je suis sûr. Ils sont en train de m'attirer dans un petit piège là. Je suis sur la plage en train de me fight avec trois trucs. Hein. Comment on sait quand ils sont cuits les poissons ? Ils sont dégueulasses hein. On voit rien. Ils reviennent. Ah mais j'arrive pas à le prendre lui là. Ils marchaient vers ici, ils sont où ? Ah c'est Pedrolito qui s'est mis à courir comme ça ? J'ai un poisson, il est derrière le feu, j'arrive pas à le prendre, il va être cramé. Ah merde. Ah attends, ah si on peut le choper derrière. Ah ok. Faut faire le tour de la cheminée pour aller le chercher. C'est quoi là qui est sur la plage ? C'est quoi ce gros truc là ? Ah bah ça c'est un. Ok. Oh ! C'est quoi ça en fait cette espèce de. Ah c'est une carapace de. Un petit singe.
Mais non, j'étais en train de le viser. C'était abusé votre truc. Moi je lui dis, tiens, il y en a, il a une jambe bizarre et ils sont. Ils ont la lèpre vos trucs. C'est pas un singe. C'est pas un singe. Des trucs, il n'y a pas d'autres trucs pour purifier de l'eau que. Bah pour le moment, non, je pense qu'il faut qu'on avance un peu. En vrai, c'est pas grave, t'es pas malade quand tu. Si tu bois juste de temps en temps, tu vois. Ouais. Si tu te gaves d'eau, ouais. Mais si tu bois juste. Un petit peu par un petit peu, ça va. D'ailleurs, je vais le faire. Pareil. Bah, j'ai pas réussi à les avoir, les trucs, hein. J'aurais foutu un coup à chacun, mais. Donc c'est pas dit qu'on se fasse pas un peu attaquer un jour. Ah oh bah d'ailleurs il y en a un à côté du l'étang ici. Ouais. Il y en a un derrière. Bâtard. Ouais ouais. Putain mais ils se barrent à chaque fois, ils sont chiants. Ah bah il y en a. Ils sont partout mais en fait on est plus chez nous. Hein. Mmh. Je crois qu'on n'a jamais été chez nous hein. J'ai l'impression que par rapport au camp, ouais. Ah, il y en a un derrière le camp, faites gaffe quand vous revenez. Ouais. Je me surveille depuis tout à l'heure. Il y a une mouette là, il y a une mouette. Ouais, 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 regarde. Oh. Non, c'est quoi ça ici? Les plumes, elles volent, chope les plumes. Je crois que j'ai des petites baies à manger. Ouais. Putain mais il y a trop de cadavres là du coup j'ai. Trop de cadavres. Là j'ai de la viande. On va le mettre. Il y a plus que 3 là. Ici. La petite viande. Oh y a un singe. Ouais. C'est pas un singe. Il est où ton copain là? Et à droite. Derrière la tour de Guy là. Depuis tout à l'heure il fait des allers-retours. Ouais, je sais pas, attends, je vais regarder mon petit. Il y en a plein de lances là. Ouais. Attends, il y en a un qui est encore en haut. Mince, comment je vois quand il est cuit. Il va où lui? Viens ici. Il y a une mouette. Pedrolito. Attends, je suis avec Pedrolito, je vais lui dire de retaper la baraque. J'ai entendu crier. Oh là. Bon, j'espère que c'est. Prépare la structure, Pedrolito. Oh nice, t'es bien cuit. Oh. Viens là, petit bâtard va. Ils sont deux. Putain, viens là. Bon, viens bah y'a plus de cadavres, du coup y'a plus de bon état. Ok. Ramenez-moi des cadavres. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y. Non. La bataille marche super loin. Kraton laveur. Bonjour Kraton. Putain, j'ai pas réussi à avoir un raton quoi. Donc attends, si je mets un bâton avec un caillou et faudra qu'on joue une prochaine fois ensemble pour pouvoir avancer ma quête parce que là du coup on est vraiment ah oui, là, concrètement oui. On passe notre temps à chercher à bouffer pour pas mourir. Oui, oui. Et des feuilles. C'est bien, on prend les mécaniques un peu. J'ai pas des feuilles. Faut des feuilles. Pas de feuilles, comme ça j'ai pas de feuilles. Ah non, des plumes. C'est des plumes, tu veux des plumes? Ouais, je veux bien des plumes. Ouais. Je suis coré. Attends, je le fous dans ton sac. Merci. Comment qu'on fait? Ah oui, comme ça. Où sont mes plumes? Comment on fait pour le donner? Ah oui, ok. Oh, t'en oh. Fais combien? 2, je crois. Ok, j'en ai 4. C'est cadeau mon ami. Voilà, c'est plus de flèches. Est-ce que on peut faire des stockages de plumes? Réserve de bûches, réserve d'os, atelier de lance chauffage, séchoir, atelier armure, étagère, stockage de flèches. Atelier... Okay. Il est revenu en courant. Oh putain, trop bien, Léops, il a un arc avec des flèches.
Moi, je suis la lune, elle a vite bougé dans la vraie vie. Bah, j'ai encore soif, je vais boire un petit peu. Je suis bien tenté d'aller dans la forêt avec ma lance et la lancer sur plein de trucs pour essayer de les tuer, puis voilà. Mmh. C'est vrai, hein. Je crois que ça... Ça marcherait à peu près, je pense. Hop, I. Y a pas des raccourcis, au fait. Le fait de devoir faire un I pour changer d'arme, c'est quand même... Ouais, je suis d'accord. Tendu, hein. Les nerfs sont tendus. Oui, j'y pensais. Qu'il y a des petits animaux là. Chasseur-cueilleur. Oh, il y a un raton. Donc. Merde, je les ai ratés. Bloc de C4. Ah ouais, cool. Ok. Ok. Désolé, petit raton. Moi, j'ai tué le raton. En vrai, ça marche bien, ouais, c'est pas mal ça. Cette technique là. Le raton, en plus, il est un peu bête, c'est que quand il te voit, il se met sur les pattes arrière et il essaie de t'intimider. Il se met face à toi en ouvrant les pattes. Oh putain. Ah ouais, toi, vous êtes pas les plus malins. Hein. T'es en train de décimer les ratons laveurs. Il est mis au pied à la poisson. Rassurez-moi, faut pas réparer nos objets après. J'espère pas. Ah. Un petit raton. Mais sur le dos, petit père. Eh bien cousin. Montre-moi que t'as pas peur de moi. Que je te fume. Montre-moi que t'as pas peur de moi. Intimide-moi. Il est où? Oh, il y a un camp. Oh non. Oh non, il y a un camp. C'est encore les gangans, je suis sûr. Ah ouais, non, c'est exactement ça. Bon, bah, on se casse, hein. Le petit raton, je pense qu'il... Il va arriver sur le même constat que moi, c'est ça pue. Raton, viens là, je te dis. Oh, il y en a partout. Philippe. Ah oui. Karim. Si je te retrouve, il y a un homme mort. Petit écureuil. Et t'as couru moi le rouquin. C'est encore une autre personne ça qui dit ça. PD. Ah, la vieille politique, c'était quelque chose. Il y avait des bridés en moi. Des bridés en moi. Pardon. Non. Hein. Hein. Il y a la caillasse. C'est pour récupérer des petites plumes, mon copain. Ok. Là, il y a des pommes de pain, c'est cool. Oh là, il y a ça des plumes. Là, il y a du vrai gros. Ok ou pas? Ramène de la grosse caillasse. Bah, par contre, mon piège à poisson a disparu donc. Oh. À tous les coups, c'est tout, non? On a toujours ça, pas de lapin, hein. J'ai toujours pas de lapin qui a poussé. C'est toujours pas grand. Ah merde, il y a déjà tout ce qu'il nous faut là. Attends, on a la blinde de caillasse là. D'ailleurs, tu crois
tu crois Pedro Lito il chôme ou pourquoi il vient là? Ah ouais, Pedro Lito, on va faire la grande muraille de Chine dans pas longtemps. Hop, oh putain les mecs, j'ai tellement de viande. Aïe aïe aïe, moi aussi j'en ai si vous avez besoin. Et regarde mon pote, je fais cuire tout ça. Attends, je vais chasser, occupe-toi de voir si la viande elle cuit, ok? On va faire là on va carrément faire un feu de joie et... Ah bah là les gars, là ce soir c'est raclette. On n'a pas de fromage. T'inquiète. On va tuer les singes, ils ont l'air d'avoir beaucoup de fromage sur les jambes. Faut absolument une vidéo avant de me coucher, hein. Un truc qui est... Je sais sur les voitures, sur... Peu importe. Non, tiens, ok. Je sais comment on fait un feu de joie, c'est bon. C'est maîtrisé. Donc. Fais gaffe au truc qui cuise, hein, Yessant. Tu vois, j'ai récupéré. Ah, déjà ? Ouais. Ah, ouais. C'est rapide. Si vous avez besoin de bouffe, j'ai de la bouffe. Je vais aller boire, moi, par contre. On a des petits bouts de bois là, on les remet là-dessus. Il est où l'étang ? Il y a un petit point bleu sur la carte. Au-dessus du camp. Ah, juste là. Ah, c'est vrai qu'on est bien ici. Comment on fait pour boire ? Tu t'approches. Tu qu'à un moment donné, tu pourras appuyer sur E ou A ou au souris. Ah, quelle vie. Quelle vie, ça va. Je suis pas très malade, je suis une poco malade. Bah, si tu bois juste un peu par un petit peu, ça va. Que fais-tu, monsieur ? Un feu. Bon bah malheureusement, je crois que j'ai décimé toute la faune et la flore parce qu'il y a plus d'animaux. Il y a plus les petits ratons laveurs qui font. Pas moi, pas moi ! Non, maintenant, il n'y a pas eu de pluie depuis 3 jours là. De quoi ? Il n'y a pas eu de pluie depuis au moins 3 jours là. C'est ça qu'il y a de la pluie des fois ? Bah c'est comme ça que le truc de tortue se remplit normalement. Mmh. Ah mais d'accord, ah, mais, faut pas te planter dessus. Hein. On va boire de l'eau en moyenne au lac, hein, régulièrement. Et là voilà, il y a un gros feu pour faire cuire plein de trucs. Ouais, je peux. Oula, je vais sauter dedans. Alors tu peux, mais c'est... non. C'est de plomb de chat comme. Mélange énergétique. On pourra faire cuire des oignons, on pourra faire une petite pyramide d'oignons. Comment il se fout de sa gueule, n'empêche. L'eau, je le défends, il fait une pyramide d'oignons. Ouais, ça m'a fumé ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là, le filou? Bon, ouais, j'arrête de chasser, c'est quatre couilles, hein. Sauf peut-être un écureuil, mais écureuil c'est chiant, hein, c'est petit. Hein. Ouais, c'est pas si petit que ça, 2 cm. Alors, est-ce que j'ai ramené des petites victuailles? Pas du tout. C'est quoi ça? Une bourse en cuir? Ouais, il faut les ramasser et les ouvrir. Bah, il y avait rien. Mais pousse-toi. Bah, il y avait rien, j'ai l'impression. Comment ça? Bah, je fais qu'il doit ouvrir. Ouais. Elle passe à notre endroit dans l'inventaire et c'est tout. Non, non, il faut que tu fasses. Et après, il faut que tu appuies sur la roue en... à droite. Je crois que j'en ai des pas ouvert. Ah, ouais. Bah, ok. Oh! Du scotch, des dollars. Des myrtilles. Par contre, pourquoi les bourses elles ont des oreilles, ça? Pas des crânes qui traînaient ici? J'en ai quelques-uns dans mon inventaire. Ah oui, il est mieux ce lustre-là. Oui. Que moi j'en ai fait un, mais oui, il y en a que un. Là, il y en a plus. Ouais. On va pas le foutre au milieu. Putain, j'en ai pas pris assez. D'ailleurs, on peut faire une massue avec un crâne. Ouais, bah j'en ai une dans la main. Ouais. Putain, il me faut encore des crânes.
est sympa ce petit clapier. C'est cool. Oh petit chat. Je sais vraiment pas où il est le mien. Vous l'avez appelé comment en fait? Milan il l'appelait Mew. Du coup on l'a appelé Mew comme le Pokémon. Non ça. Et encore une fois, c'est un M, donc pas du tout fait exprès, du coup. Ah putain, c'est vrai, je... Et parce qu'il fait Miou. Il fait pas Miou, il fait Mii. Non, c'est pas vrai. Non, mais par contre, c'est des cris aigus de chat, de bébé chat. Ah bah, mon gars, moi la mienne, elle a un an, 4 mois, elle fait toujours ses petits bruits de singe. Hein. Ah ouais. Ouais. Alors, va falloir tuer des gens là, j'ai besoin de crâne. Quelle phrase. Bah attends, je peux te proposer. Tu préfères quoi? Lance, grenade oh. Vas-y, on pète ma maison avec une grenade. Ah ouais, vas-y. Vas-y, je le fais. Non, c'est moi. C'est... Oui, c'est mais attends, il faut que Lep se filme ça par contre. Attends, mais c'est fait en. T'as vu en quoi c'est fait ça? Regarde par ici. Attends, pousse. Comment ça, c'est quoi? Bah regarde. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est de la. Ah oui, c'est de la... l'espèce de peau, hein, on est d'accord. C'est non. De la peau. Ouais. Ouais. Allez. Incroyable. Passe au spectacle. Vise bien par contre. Attends, j'ai envie de faire un. Je sais pas au bout de combien de temps elle pète, mais dans le doute, j'ai envie de la faire péter à l'intérieur parce que là elle va péter à l'extérieur, tu vois. Attends, non, je peux la mettre comme ça. En biais. Vas-y. Oh là. Oh bah franchement ça a deliver hein. Bah, il fait ça partout. Allez, on a du bois. Ouais, là on a du bois effectivement. Stackez-moi le bois s'il vous plaît. Oh putain mon pote. Et là tu te dis putain Toutoun il a dû casser du bois pour réussir à faire ça. Comment on fait? Au pire on fait la maison. En vrai. Quoi? Au pire, on la refait. Mais tu. Quoi? Bah ouais. Quoi? Quelle maison? La tienne? Bah oui, regarde. Au pire. Moi, j'ai commencé à stacker le bois. Hein. Oh non. Non? Attends. Oh. Non? Merde, c'est où déjà? Plateforme d'arbre. Cabane d'arbre. Qu'est-ce que tu fais là, le chat? Ouais, personne qui va nous attaquer là! Qu'est-ce que tu fais, petit chat? Doucement. Pareil qu'il va manquer du bois. Je sais pas pourquoi. Bizarre, t'en avais pas assez. Non. Voilà. Je me dis que ça va peut-être casser du bois dans le process, tu vois. Il en faut quand même beaucoup, hein, il a du bois. Hein. Et d'ailleurs, c'est. Je me demande si ça a pas fendu du bois par les mêmes occasions. Non, après le bois fendu, c'était pour le sol, non? Bah, je sais pas, parce que bah, là, j'arrive pas, j'ai que du bois fendu. Bizarre, c'est quoi ce petit bout de bois de merde là? Bah, je sais pas, j'arrive pas à. Pas à construire là, tu vois. C'est des demi-bouts de bois. Ça, c'est un grand bout de bois, on est d'accord. Ouais, voilà. Eh putain, c'est beaucoup plus chiant que ce que je pensais. J'ai une demi-cabane et j'ai des... Tu vas tomber toi.
Ouais, ça appétit du bois, je pense en même temps. Ça, clairement, il y a plus beaucoup de bois par terre et j'ai pas l'impression qu'on soit très proche du résultat final, quoi. Je lui dis, elle fuite les murs et je me demande ce qu'il est en train de faire. Il est juste en train de t'aider, en fait, les abs. Ah ouais? Ouais, il est en train de faire les pics. Ah. Là, c'est quand même dingue, là. Par contre, là, on va avoir besoin de beaucoup de bois, là, les abs. Ouais, ouais. Peut-être l'envoyer chercher du bois plutôt. Bah ouais. Il est où? Si vous voulez, il y en a là. Hein. Il y en a là. En vrai, j'annule mon truc si vous voulez et voilà. Parce que bon là. On peut faire plutôt, je sais plus où il est. La muraille, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah attendez, on va annuler ma maison et voilà. C'est peut-être une bonne idée. Putain! Qu'est-ce que t'as fait? Wow, non. Wow, wow. Non, non, calmez-vous par contre. Tu vois, ça tombe dans tous les sens. J'ai coupé l'arbre, il est tombé directement sur la muraille. Ah putain. Ah merde. À un moment, Pedro Lupé va péter un plomb, il va dire « Eh, vous et votre job de merde là. Moi, je me casse, c'est bon. » Le mec, il nous amène du bois. On fait une maison. Et on l'explose. Une grenade. On pète la maison, après on lui fait Pedro Lito. On peut aller chercher du bois. Pedro Lito, il est bête, mais pas à ce point-là quand même. On laisse une petite marche pour passer autour, Léops. Bon, je pense, ouais. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse passer derrière là. Là, ouais, il y a peut-être. Ouais. Pedro Lito, il est en Y derrière la baraque là. Venez voir. Ah merde. Mais il est mort là, faut le relever, je pense. Mais oui, faut le relever. Attends, mais il s'est pris mon arbre sur la gueule ou quoi? Non, même pas. Il est en Y derrière. Suis-moi. Se relever. Ouais, j'ai peut-être posé à peu près. Mais... Attends, je viens de le suivre. Ah! Ah ouais, c'est vraiment un débile. Quoi? C'est vraiment un débile. Comment ça, c'est vraiment quand tu lui donnes les instructions, on lui met par écrit, il fait un petit oui de la tête. Mais c'est parce qu'il n'entend plus rien. Il est sourd. Il fait éclater les tympans. Ah, d'accord. Pedro Lito, il peut pas me suivre parce qu'il est coincé, là, faut péter la muraille. Ouais, je vais peut-être décaler d'un cran les hops. Ouais, vas-y. Pedro Lito. Prends des vêtements. Fais du feu, maintenir la base, reste, fais une pause, nettoie. Oh! Ouais, nettoie, c'est insane. Amen. Il fait quoi? Suis-moi. Bah, il coupe tous les arbres. Il y a un gangan. Ok, merde, j'ai un calepin dans la main. Sous les gangans. Ah oui! Ah, mais. Il est déguisé en arbre. C'est bon. Il s'est cru discret. On a niqué un peu la clôture aussi. Ah, c'est bon, là on est. Je vais le ramener là-bas pour les pierres. Ouais, j'ai besoin d'un crâne aussi. Vas-y, je le mets là. Bam. Oula. Tu peux dire à Pedro Lito qui... Pedro Lito, il est toujours... Ah, mais il y en a encore un. Quoi? Pedro Lito. Pedro. Il est où? Il est là. Pedro Lito, il est perdu. Pedro. Et Pedro Lito, faudrait lui... Bah moi, je lui dis de me suivre, mais il arrive pas à sortir, là. Bah attends, je vais... Hop. Faut tout péter, hein. Ah oui, putain, facile, il y a un gangan là-bas, il y a des gangans partout. Je l'ai débranché. T'as débranché le gangan? Ouais. Gangan derrière toi. Derrière qui, moi? Ah, il est... Non, il est pas mort. Ils sont fous. Oh oui. Attention. Oh le bâtard. Ah. Ils sont trop forts. Ah ouais. Putain, mais il fait mal lui. C'est ça, casse-toi. Il course tout sur... Relevez-moi s'il se barre. Merci. Oh, je suis mort. Oh, y en a un qui m'a niqué aussi. Ah ouais, c'est barré.
les potes. Welcome. Faudrait dire à Pedro Lito qu'il renforce la base, mais il essaye de courir comme un zgeg depuis tout à l'heure. Bah, il arrive pas à nous suivre. Ouais, je veux bien que tu commences à. Ouais. Bah, il faut décaler d'un cran, chef. Ouais, mais là, je suis en train d'essayer justement de bouger un peu les. Suis-moi. Je vais espacer un peu plus. Pedro Lito, faut lui dire de renforcer la base. Mais non, mais là, il sait pas sortir de là, il est coincé. Attends, on va l'aider. Depuis, oui. Ah! Réussir à sortir. Pedro? Allez. Oh, c'est bon, il est sorti! Attends, on va lui dire de nettoyer la base au milieu là, ce sera peut-être mieux. Il peut pas faire ça. Bah, si. T'as là, on peut passer ou pas? Ouais. Reste, nettoie à 5 mètres déjà, on va voir ce que ça donne. Il peut ramasser les détritus par terre et tout, tu penses? Non, pour moi, nettoyer, c'est juste faut nettoyer la zone. C'est il coupe les arbres. Il coupe les arbres, s'il y a des gens, il les défonce, non? Ah merde. Ah oui, bah attends, je dis nettoyer. C'est lui de réparer la structure, comme ça, il répare les dégâts qu'ils ont fait. Ah ouais. Les gangas. Non. Attends, est-ce qu'on va tomber juste? Pedro. C'est quoi? Est-ce qu'on va tomber juste et que là, le dernier tronc, il va être nickel dans le tronc? Maintenir la base, hein, c'est ça? Attends. Non. Vite fait, il y a un trou. Mais franchement, ça va. Il y a des gangans. Il y a un gangan, il a continué d'attaquer ici. Ah ouais? Ouais. Il est derrière. Dev, t'es sûr? Parce qu'il y a un trou quand même. Il y a un petit trou. Où ça? Là, là. Ah ouais, je pense que c'est ok. Je me dis pour 4 trucs, on peut les retirer vite fait et les remettre. Ouais. Non? Ouais, non, si, ouais. Vas-y, go. Il y a du bois en tout le monde, c'est une baraque. Hein. Putain. Je vais pas tarder à y aller quand même pour me regarder un petit truc pour ne serait-ce que 10 minutes. Parce que il est déjà minuit. Oh putain, faut que mon perso il va mourir de fatigue. De tout. Moi aussi. Et de faim. Bah, je crois que j'ai des poissons dans mon inventaire. Ah, j'ai de la bouffe moi si vous voulez. Est-ce que c'est mieux de déjà manger et ensuite dormir ou déjà dormir puis ensuite manger? Très bonne question ça. Je vais manger un poisson. Ah, il le décapite vraiment comme ça, avec les dents et tout. Okay. Ah, j'ai des crânes, tiens. Enfin, j'en ai un en tout cas si tu vois pour tout à l'heure. J'ai des bâches aussi, c'est pas mal. Ah oui, oui. Bah, les crânes, tu peux les mettre sur le lustre aussi. Ouais. Ah ouais, c'est cool ça. C'est cool. C'est cosy. Je ne savais pas où les mettre, bah voilà. C'est sympa comme. On devient des vrais petits sauvageons, c'est cool. Oh oh. J'ai entendu un petit cri qui me fait penser que soit l'un de vous a très faim, soit. Oh, putain, il y a du vent et tout. Il y a des guingans, il y a des guingans, il y a des guingans. Il y a des guingans. Regardez les arbres comment ils bougent. Il y a des guingans. Là. Tous ici, les guingans. Venez avec moi, s'il vous plaît. On va le niquer, on va le niquer. Oh merde! Oh merde, j'ai rien derrière moi! Non, c'est moi qui t'ai tapé, je crois. Putain, t'as le slime. Vous l'avez eu? Je le vois pas. Ah, il est en bas. Ouais. C'est bon. Par contre, il a eu Pedro Lito. On a relevé un, c'est Pedro Lito. Ouais, c'est Pedro Lito. Bon, là, il est mort. Là, il est mort, c'est bon. Ah, il était toujours pas mort depuis tout à l'heure. Ouais. C'est résistant ces bêtes là. Dodo jeu et dodo. Ouais. Dodo réel. Attendez, je vais juste faire le lustre. A mon avis, dodo jeu, c'est pas très possible. Hein. Tu penses? Bah, voilà mieux parce que là, sous ma jauge de sommeil, elle est en rose tellement il est fatigué, le gars. On va se faire soulever, non? Ça, c'est pas. Allez, en rose? Parce que je crois que ça faisait ça quand tu buvais du energy drink. Ah, j'ai bu une boisson là, ouais. Ouais, et du coup, bah forcément. Ça te.
ça te faussement remplit ta jauge de sommeil. Genre ton personnage il a pas soif mais c'est temporaire. Il a pas envie de dormir mais c'est temporaire. Ok. J'ai envie de te dire le vrai sommeil il est temporaire aussi. Il baisse très vite d'ailleurs. Ah oh putain, il manque un crâne. Personne a un crâne. Moi j'ai déjà tout mis. Moi je l'ai mis aussi sur le lustre. Bordel, il manque un crâne. Faudrait qu'on sauvegarde aussi peut-être, non? Bah oui, tiens. Juste après la nuit, on peut là. Ouais. Il manque un crâne. Nouvelle... Je le fais aussi. Pas si c'est avec... si c'est en local ou pas, mais. Bah c'est moi qui host, donc généralement c'est moi qui sauvegarde, mais bah, dans le doute, c'est bon, une bonne idée d'avoir une copie, j'imagine. Eh, on ne s'est pas fait attaquer, hein. C'est vrai. Mais il manque un crâne. Je suis triste. Ah, mais il y a un cadavre, là. Ah. Ah, ouais. Ah, mais Pedro Lito, il a dormi dehors dans la boue. Bah ouais. Oui, on se mélange pas, hein. Pedro Lito, c'est un homme de nature, tu vois. Ouais, mais c'est marrant, tu sais, tu sors et puis tu le vois, et là, il est couché par terre. En mode jacouille, que je peux ramasser pour là-bas. Putain, mais ça se fastidie jamais un chat ou quoi? À cette heure-ci? Bah là, il est excité là. Moi, ça va là. Ouais, tous les soirs, mec, quand je vais me coucher, je lui dis bonne nuit. Exactement avec ce ton-là. Et du coup, elle comprend. Mmh. Maintenant, même quand elle est surexcitée, je lui dis ça. Bah, du coup, elle se calme. Elle dort. Ouais, vraiment, hein? Ouais. Oh, des biens. Mais Pedro Lito, tu vas crever, espèce de sgeg. Ah, j'avoue. Ça, c'est nous qui l'avons crafté, ce truc-là, là, la grande tour, là. Le truc en pot, ouais. Non. Non, ok, ah, ouais. Pot, on a fait... Enfin, c'est con, il y avait ma vraie maison et tout. Même si elle servait à rien. Ah ouais, je viens de voir de quoi tu parlais, les yeux, tout à l'heure. Je comprends. Ouais, quand ça cuit, c'est chelou. C'est marrant. C'est marrant. Regarde-moi cette porcherie quoi par terre. Moi je pensais quand on a dit à Pedro Lito de nettoyer, je pensais qu'il allait. Ouais mais ça je pense que c'est la. C'est des trucs qu'on peut même pas les enlever, je pense que c'est du. Enfin, tu vois, c'est du propsing de. Allez là, venez voir mon lustre. Ah mais je suis con, il y avait des crânes ici. Ouais. Oh la tête à la pourrite. Ah oui, j'en avais une dans mon inventaire, une comme ça. On la laisse là, pour les prochains visiteurs. Je l'ai trop bien fait, c'est terrible. C'est sympa, mais c'est vrai que la cabane est un peu bas de plafond pour ça. Oui. Stonk. Puis sympa, t'es gentil. Faudrait le mettre à l'entrée, au-dessus de la porte, tu sais, tu rentres, ça fait clou 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 clou. Des petits trucs là comme... Un petit crayon en os. Et voilà, l'ambiance un peu différente. Oh, on peut verrouiller maintenant? On pourrait déjà le faire. D'accord. Et il est où Pedro Lito là qui allait chercher du bois? Pedro Lito il est en train de. D'arrondir. Enfin de rendre pointu des bouts de bois. Ah, mais ça s'en bat les couilles, ça va vite à faire. Mais comment on fait des portes de palissade? J'avoue qu'il faudra peut-être qu'on fasse une porte un jour. Pedro Lito, viens voir. Ramène. Et bûche. Et remplis le coffre. Moi les gars, je vais quitter ici. Je pense que moi j'installe les derniers bûches et go. Ouais, je suis pas tard. Il en reste plus beaucoup. Comme ça qu'on revient, Pedro Lito, il les aura tous mis. Ouais. Non, le jeu il s'arrête quand les hops quittent quand même. Ouais, j'ai déjà le serveur de Satisfactory qui tourne, là je vais pas non plus. Ah oui, j'avoue. Putain, ouais. Sons of the Forest. Eh ben. En vrai, l'histoire, je pense qu'elle va être marrante. Comme. Quand je vois le menu principal, ça me fait un peu peur. Justement, on s'est dit Halloween et tout, tu connais. Ça, mais ça, y a un truc un peu. Ouais, il y a l'air d'avoir du lore. Parce que les histoires de. Tu vois, c'est pas des sauvages, ils ont des difformités bizarres et tout. C'est Oh là, Pedro Lito nous fait une dinguerie là.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en mode parcours. Il est en train de péter l'arbre qui est juste à côté là. Ah non, c'est bon. J'avais peur que ça tombe sur, sur la muraille. Mais ouais, le lore a l'air très intéressant. Et moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas crié dans un jeu et tout, donc c'est bien, non? Ouais, c'est vrai que ça manque. Ça manque, oui, un petit peu en vrai. Et ben voilà, hein. On s'est beaucoup investi pour pas grand chose, parce qu'on va bien se déménager, mais... Une grande partie de notre temps à essayer de chercher à bouffer, hein, quand même. Hein. Ouais. Oh, je vais me faire un lit là-haut. Tour de guet, je vais me faire un petit lit. La prochaine fois. Et dodo ici. Simple, porte, hein, petite marche. D'accord. Des entretoises, oui. Mur en pierre, ouais, sur en pierre, porte en pierre, fenêtre en pierre, escalier, rampe, rampe d'angle, rambarde, mur de défense, serrure de. Attendez, porte. Je finis juste ça et après. Le mec s'arrête jamais. Oui. Ah, mais attends, tu peux. Ah, bah, c'est comme. C'est pour ça que j'ai perdu. 100% de ma productivité là sur Satisfactory. C'est... De quoi? Bah, c'est tu construis une usine et puis après t'as besoin d'électricité et puis après t'as besoin d'une autre ressource et puis ça finit jamais. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi j'ai mon lit les gars maintenant. Putain, bien joué. Dors à la belle étoile. Non, c'est pour Pedro Ito. Pedro Ito, j'ai ton lit. Ah, mais attends. On peut. Waouh! On peut renforcer le mur avec un. Bah, c'est pas ce qu'il faisait. Ah, bah, on peut faire des portes comme ça! Bah, d'accord! Comment? Comme ça. Avec une hache? Non, non, regarde, appuie sur E. Ah, bah, comment t'as fait pour la faire la porte? J'ai pris une bûche et je l'ai mise en travers comme ça. Je comprends pas, on est censé pouvoir. J'ai l'impression qu'on pouvait faire des renforcements. Il y a un gango violent. Oula, wow, bah. Bonjour monsieur. Attends deux secondes, je vais planter mon pieu là. Et pourquoi j'ai pas ma hache? La hache. J'ai faim et soif. Oh le bâtard! Fais gaffe, te rapproche pas trop! Trop tard. Ok, c'est moi qui dis ça, je suis mort en même temps que toi. Ah, il est. Il est énervé. Ouais, vas-y, on le bute. Et là, par contre, on s'arrête vraiment parce que sinon, on va jamais. Ouais. Oula, il me regarde. Je crois qu'il va me. La mort ou tchétché. C'est Pedro Lito là qui est encore en train de couper de bois. Ouais, bah lui il en a rien à foutre. Okay. Il est où? Tu le vois? Il est pas dedans la cabane? Oh putain, sérieux? Enferme-le. Ouais. C'est bon. He's dead bro, he's dead. C'était pour être sûr. Ah par contre je suis trop mal. J'ai faim, j'ai soif, y'a rien qui va. C'est bon, moi qui t'aime. Le chat vient de pomper. Ah. Allo Nala. Nya. Ça Pedro. Putain, Pedro. T'es en train de faire ta meilleure nuit toi. Ça va Nala. Je peux manger des huîtres crues, bah allez. Dodo. Ouais, c'est pas super nourrissant, mais bon. Ah, mais ça redonne les huîtres, ça redonne un peu d'hydratation en plus. Bon, j'ai quand même toujours soif. Mmh. Mais...
Attends, on a pas sauvegardé les derniers trucs. Ouais. Bah sauvegarde et quitte, hein. Ouais. Ça peut se faire. Tac, 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 tac. Sauvegarder, oui. Hop. Salut Twitch, à la prochaine.